Nous lisons la parole de Dieu. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées, afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur, en apprenant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts, ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. Amen. Tu as promis d'être avec nous. Je m'accroche à toi, je m'accroche à toi, mon Jésus. Tu as promis d'être avec nous. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera. Oh oui, quand je songe, songe à l'amour de Jésus, mon Sauveur, et à tout ce qui l'a fait pour moi. Que ton nom soit béni, ô notre Père, que ton nom soit exalté, toi qui es l'étoile brillante du matin, toi qui conduis réellement nos pas dans ce monde où nous sommes, mon bien-aimé Père, toi qui es le consolateur de nos âmes, mon bien-aimé Père, combien tu es merveilleux, Sauveur, combien tu es tellement précieux pour chacun de nos pères. Et ce matin, tu nous as accordé la joie, la grâce, le privilège d'être rassemblés dans ta maison à toi, mon Sauveur. Oh, tu es le Dieu qui parle encore aujourd'hui, le Dieu qui éclaire encore aujourd'hui, bien-aimé Père Saint, le Dieu qui soutient encore aujourd'hui, mon bien-aimé Père Tibissant, le Dieu qui bénit, le Dieu qui guérit, le toujours présent, le même hier, aujourd'hui, éternellement, oh, qui n'a point d'égal, mon bien-aimé Seigneur. Tu es le victorieux, mon bien-aimé Père, oh Dieu, le puissant vainqueur, c'est toi. Nous voulons te dire merci. Merci pour le souffle de vie, mon bien-aimé Père Tibissant. Merci encore pour la joie d'être dans ces lieux, mon bien-aimé Père Tibissant, comme David voulait dire, oh Dieu Tout-Puissant, c'est vrai, Seigneur. Et dans ces lieux, c'est mieux qu'être ailleurs, Père. Louange et honneur à toi. Nous te remercions pour le pardon de nos péchés, nos iniquités, mon bien-aimé Père Saint, oh Dieu. Nous a purifié, sanctifié, mon roi. Que tu sois élevé encore aujourd'hui, bien-aimé Père Tibissant, de tous nos cœurs, nous t'aimons, mon Père. Merci pour les chants des cantiques qui ont été chantés, mon Père Saint. Merci encore pour mon frère que tu as soutenu, pour ma soeur que tu as soutenu, bien-aimé Père Saint, oh Dieu. Merci encore pour ce moment béni, Père, oh Dieu. Nos cœurs sont devant toi, mon bien-aimé Père Tibissant, implorant réellement ta grâce à toi, bien-aimé Père, oh Dieu, parce que nous voulons être comme toi, tu veux que nous soyons. Merci parce que tu n'as pas changé, Sauveur. Béni sois-tu encore pour tous nos frères et sœurs qui sont aussi en connexion dans les lieux où ils sont, bien-aimé Père, qui soient aussi bénis, mon roi, et ceux qui sont venus de loin, comme des prêtres, qui soient aussi bénis, Père, car nous t'avons ainsi prié. Merci pour les psaumes, merci encore pour le temps des cantiques, merci pour chaque chose encore aujourd'hui. Nous t'avons ainsi prié, mon Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Vous pouvez vous asseoir. Nous remercions le Seigneur pour la grâce et les privilèges qu'il nous accorde de pouvoir être comptés parmi les vivants et d'être rassemblés ici en son nom. Et nous connaissons aussi sa fidélité comme l'Écriture le fait savoir, que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il a dit,
il sera aussi au milieu d'eux. Nous nous réjouissons de ce privilège que le Seigneur nous donne de pouvoir aussi avoir la grâce d'avoir des frères et des sœurs dans différents endroits. Et c'est cela aussi notre joie parce que, comme l'Écriture le dit, il persévérait dans la communion, c'est nos apôtres et dans la communion fraternelle. C'est ce à quoi le Seigneur, notre Dieu, nous a aussi destinés. Et c'est aussi par cela aussi que nous pouvons aussi témoigner aussi l'amour que le Seigneur nous a aussi accordé de pouvoir avoir un cœur nouveau aussi et aussi un esprit nouveau et dans lequel effectivement la parole du Seigneur pourra trouver aussi sa place. Que Dieu bénisse chacun de vous tous qui êtes venus de loin comme de près, de très lointain. Ah, je vois mon frère Marcel, ça je ne pouvais pas manquer, qui est venu donc de l'Allemagne, donc de Krefeld avec toute la famille. Notre sœur Marie et notre sœur Marilyn aussi. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous nous réjouissons de ce que nous pouvons avoir ce moment béni aussi dans la maison du Seigneur. Je vois aussi la famille de notre sœur Esther aussi de Lille qui est venue aussi avec sa famille. C'est toujours une bénédiction pour nous quand nous pouvons avoir nos sœurs et des frères qui quittent loin et qui viennent aussi parmi nous. C'est une grande consolation. Dieu nous a bénis à pouvoir nous accorder cette joie aussi. Je vois un de frères qui est assis là, peut-être de loin, je vois mon frère qui est assis là. Oui, ah, que le Seigneur vous bénisse. Vous venez de loin, mon frère. Vous venez d'où? De Lessines. Que le Seigneur vous bénisse. Mais c'est quand même loin, mon frère. Mais où est-ce qu'ils sont? S'ils peuvent se mettre debout, qu'on puisse les voir aussi. Ah, je vois notre sœur qui est là-bas derrière. Ah, nous sommes heureux que le Seigneur vous bénisse richement, qu'il vous bénisse beaucoup. Ah, merci beaucoup. Ce qui veut dire qu'après vous ne partez pas, nous allons nous voir quand même en bas aussi après la réunion. Que Dieu vous bénisse. Et vous appelez comment mon frère? Moi c'est le frère Julia. Julia, mon frère Julia. Que Dieu vous bénisse. Ah, Exode. Ah, mais... Que Dieu soit béni, que Dieu vous bénisse, mon bien-aimé frère. Merci d'être venu parmi nous. Vous pouvez vous asseoir, mon frère. Alors, je réalise qu'effectivement, que mon frère Marcel, vous le connaissez déjà. Et alors, oui, oui. Ah, que je suis heureux. Et lève-toi, maman, etc. Vous ne la connaissez pas, mais c'est la maman de mon bébé, donc. Ah. Et oui, donc la grand-mère de Solomon. Ah oui, lève-toi encore comme ça, on te voit bien. Ça, vous la voyez, hein, là. Là. Quelle joie, hein. Vous la recevez? Amen. Avec beaucoup de joie. Amen. Dieu est bon. Amen. Elle n'est pas venue seule. Donc, elle est venue. Ah, Thierry, il est là-bas, là-bas, derrière. Tournez seulement le regard pour le voir, il est là-bas, derrière. Voilà, Thierry, donc, c'est le mari. Vous le recevez aussi? Amen. Que Dieu soit béni. Alors, la joie, encore, elle est grande parce que quand ils ont voulu venir, la grand-mère, dont l'arrière, donc, la... donc, la maman de Thierry... Donc l'arrière-grand-mère, vous comprenez bien, elle a eu la joie de dire aujourd'hui, je ne reste pas, je vais aussi venir. Amen. Alors levez-vous, vous voir aussi. Vous l'accueillez aussi. Amen. Avec beaucoup de joie. Hein? Amen. Nous sommes heureux. Ah, vous voyez la joie aussi, non? Amen. Donc, je crois qu'on... Oui, merci beaucoup. Nous sommes heureux. Ah oui. Merci beaucoup. Je crois que on l'a essayé de pouvoir prévenir que ça dure un peu longtemps. Donc, ils sont déjà préparés. Mais vous les aimez, non? Amen. Vous les accueillez, non? Amen. Que le Seigneur soit béni. Le Seigneur est notre Dieu, il fait des merveilles. C'est un miracle, en fait. Vous voyez qu'il soit tous ici. Parce qu'il n'y a rien qui pouvait faire en fait qu'il soit à cet endroit. Mais Dieu, quand il aime les hommes, il fait des choses qui dépassent notre entendement, notre façon de pouvoir avoir les choses. Parce qu'ils ont beaucoup de choses à pouvoir faire. Mais qu'ils aient le désir de pouvoir dire, on va venir quand même là-bas pour écouter la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci encore pour mon frère Julien. Hein?
Je sois béni. Y a-t-il un frère ou une sœur que je n'ai pas vu? Parce qu'il y a la caméra ici, je ne vois pas bien, parfois ça me bouche la vue. Et s'il y en a un qui est ici, on aime toujours vous recevoir. Frère Marcel, je t'ai déjà présenté, tu es connu ici, c'est ton assemblée. Parce que je vois le regard de mon frère. Alors je ne sais pas si encore... Je vois ma sœur Emma qui est là. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Et tu étais parti lointain, je ne t'avais pas vu. Sois donc les bienvenus. Merci. Que Dieu te bénisse. Alors, y a-t-il un que je n'ai peut-être pas bien vu? Si quelqu'un est ici, bon, voilà, si vous pouvez vous lever. Ah, je ne vois pas bien mon frère. Comment vous appelez? Mon frère Jean-Claude. Le frère Coco qui m'a invité. Ah. Donc c'est avec plaisir que je suis avec vous. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes heureux vraiment. Frère Coco, merci. Coco, merci beaucoup. Merci. Que le Seigneur soit béni. Astago, comment allez-vous? Jean-Claude. Oh oui, merci frère. Que Dieu... Nous avons encore un frère Jean-Claude ici, je pense. Que Dieu soit béni. Il est là encore. Donc tu as tout le monde. Avant de partir, parle avec lui quand même. Que le Seigneur soit béni. Donc je pense que tout le monde, nous avons pu avoir... Donc, que le Seigneur soit béni. Vous êtes tous les bienvenus. Et nous remercions Dieu de nous avoir accordé la grâce d'avoir un jour comme celui-ci. Comme vous pouvez le remarquer, effectivement, nous sommes un peuple simple comme tout le monde. Mais nous adorons le Dieu qui est vivant. Il nous a accordé cette grâce de pouvoir réaliser que ce Dieu n'est pas une imagination, mais une invention, effectivement, des hommes d'une certaine manière ou d'une autre. Mais il nous a accordé cette grâce de pouvoir réaliser et aussi expérimenter qu'il est réellement vivant. Il a été parlé de lui dans les Saintes Écritures, et quand les hommes ont pris les Saintes Écritures, la Bible, jusqu'aujourd'hui, ça a été considéré comme étant un livre comme tous les autres livres. Et souvent, c'est pour ça que les gens se posent la question, mais à quoi bon aller peut-être dans un endroit où on parle de la Bible? Il y a aussi les bouddhistes, de ceci et de cela, ainsi de suite, et d'autres religions aussi, comme l'islam étant, et puis bon, avec beaucoup de livres aussi qu'on peut lire, qu'on appelle des livres saints. Alors, il y a toujours une chose qu'il faut toujours savoir, qui est très importante. Si nous remarquons dans le monde aujourd'hui, sur la surface de la Terre, il y a beaucoup de livres, c'est vrai, des livres qu'on parle des livres saints, qui sont des bouddhistes, de ceci et de cela, même des Indes, ainsi de suite. Mais regardez en fait, dans le monde entier, quel est le livre qui est le plus imprimé et qui se trouverait effectivement dans plusieurs maisons sur toute la Terre, d'une certaine manière? Ce n'est pas les livres de la Torah, enfin, ce n'est pas les Corans, ni quoi que ce soit, mais c'est en fait la Bible. On doit se poser la question de savoir, mais pourquoi est-ce que la Bible serait un livre qui serait quand même le plus imprimé, où les gens se sont intéressés par une fois dans leur vie? C'est parce qu'il y a une différence énorme par rapport aux autres livres. Les Corans, c'était des hommes qui ont eu un pouvoir écrire. C'était un homme, donc Mohamed. Les bouddhistes aussi, la même chose aussi. Mais la Bible, c'est très différent. L'auteur de la Bible, ce n'est pas un homme. L'auteur de la Bible, c'est Dieu lui-même. Et c'est là qu'on arrive à pouvoir comprendre qu'effectivement, que de tout le livre, la Bible est la parole de Dieu. Et aussi, c'est Dieu a eu à pouvoir témoigner et à prouver qu'effectivement, pour que les gens ne puissent pas avoir ce qu'on appelle des incertitudes, et démontrer qu'il était réellement Dieu et l'auteur de sa parole. Parce que dans sa Bible, dans la parole de Dieu, effectivement, dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe, il était écrit, et voici la Vierge concevra. Ça, c'est connu de tout le monde, parce que tout le monde ici a déjà fêté Noël. Mais quand on fête Noël, personne ne peut être ignorant qu'il y a eu Marie. Donc Marie a eu à pouvoir avoir un enfant d'une manière assez spéciale et particulière. Tout le monde le sait. Vous allez dans le Coran, dans les sourates 18 et 19, effectivement, il est parlé de Marie. Il est parlé de l'enfant que Marie a eu à pouvoir mettre au monde, effectivement, de l'action surnaturelle. Donc tout le monde le sait. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce que c'était écrit dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe au chapitre 9, je pense que c'est cela, où la parole de Dieu disait, demandez un signe à l'Éternel. Et Akas dit, je donnerai pas, dit, le Seigneur lui-même donnera un signe. Voici, la Vierge concevra. Et elle enfantera un fils et on l'appellera Emmanuel.
ce qui veut dire Dieu avec nous. Et cela a été quelque chose qui était écrit bien longtemps. Et les hommes qui pouvaient lire cela, ou les hommes pouvaient entendre cela, en tout cas dans la conscience, l'imagination, la mémoire, c'était une chose impossible. Pour quelle raison? Parce qu'une vierge ne peut pas avoir un bébé. Non, ça c'est pas possible. Depuis que le monde est bon, depuis que la création existe, ça c'est impossible. Oui, c'est impossible. Impossible. C'est pour ça que plusieurs années plus tard, centaines d'années, hein, dans le Nouveau Testament, donc dans le livre de Luc, on voit une vierge du nom de Marie. Et ça aussi c'est connu dans le monde entier parce que Marie est connue. Dans l'Église catholique, elle est célébrée, elle est même adorée. Donc tout le monde sur la terre connaît Marie. Donc, l'ange Gabriel, après avoir visité donc Zacharie, il va donc vers Marie, qui était donc en Galilée, était fiancée donc à Joseph. Et alors, il s'adresse à Marie avec une salutation particulière, que la grâce lui a été accordée, tout ça, ça l'a touché le cœur à Marie. Et puis, il lui dit effectivement que, voici donc, tu vas donc être enceinte et tu enfanteras un fils, donc un fils dont... et qui sera donc effectivement dont on appellera le fils du Dieu très haut, ainsi de suite. Alors quand on lui a dit que tu vas enfanter, tu vas avoir un fils effectivement, et elle a réagi en disant, mais comment cela peut-il se faire? Parce que je suis fiancée à Joseph et je ne connais point d'homme. Ah, c'est pour ça que l'ange lui dit effectivement, donc le Saint-Esprit te couvrira, et cet enfant qui sera né de toi, effectivement, sera appelé le fils du Dieu très haut. Et vous connaissez la suite, effectivement. Alors, le cœur de Marie palpitait, donc se disait, mais quand même, on sait que depuis que la terre existe, qu'effectivement, que jamais une vierge n'a conçu, donc elle est tombée donc enceinte. Parce que si une vierge tombe enceinte, elle n'est plus une vierge. Mais alors, on dit que la vierge doit être enceinte. Et comment c'est possible? Donc, s'il est enceinte, on ne peut plus parler de la Vierge. C'est comme aujourd'hui avec les histoires qu'on nous raconte de la Vierge Immaculée, qui reste toujours vierge jusqu'à aujourd'hui Immaculée. Ça, ce sont des pensées des hommes. Parce que Marie, quand elle a été donc tombée enceinte, elle était toujours vierge. Elle a donc accouché de Jésus, vous connaissez, non? Mais son mari, Joseph, ne l'a pas observée comme ça pour qu'elle reste toujours intouchable. Parce que c'était quand même sa femme. Donc, il a eu aussi des enfants avec elle. José, Jacques et tout cela sont des enfants qui sont des frères du Seigneur Jésus, des enfants qui sont nés de Joseph avec Marie. C'est dans la Bible. Donc, quand on vous maintient en disant la Vierge Immaculée qui est toujours vierge, non, on n'est plus vierge. Parce qu'elle a eu à pouvoir avoir d'autres enfants avec Joseph. C'est dans la Bible. Je ne comprends pas pourquoi on ne dit pas la vérité, puisque c'est écrit dans la Bible. Donc maintenant, revenons à Marie, effectivement, avant cela. Quand cela lui a été annoncé, il dit à l'ange, mais comment cela se fera-t-il? Je ne connais point d'homme. Parce que pour elle, c'était très difficile et impossible qu'elle puisse tomber enceinte si Joseph n'a pas été avec. Ou quelqu'un a dit, non, pas Joseph, mais le Saint-Esprit va te couvrir. Mais comment cela sera-t-il possible? C'est pour ça que vous vous souvenez encore que puis c'était dur pour elle. Et puis c'est l'ange Gabriel qui lui pose la question. Il dit, mais tu te souviens d'Élisabeth, ta parente? Donc la vieille là qui était stérile. Elle dit, mais elle est aujourd'hui dans son sixième mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Alors quand l'ange lui a dit cela, le cœur de Marie a palpé. Il dit, mais Élisabeth, effectivement, je la connais, la vieille, elle est stérile, elle n'a jamais enfanté. Donc ménopausée, comment est-ce possible? Sixième mois. Oh oui, sixième mois. Donc elle est enceinte. À ce moment-là, la foi a été enclenchée. Elle a dit que cela me soit fait selon ta parole. Elle a cru à la parole de Dieu qui était donc annoncée maintenant dans l'Ancien Testament, comme elle a cru. Et quelques temps après, on voit le ventre qui commence à pouvoir pousser. Et puis, neuvième mois, Marie a enfanté un fils. C'est écrit, et c'est la vérité. Quand elle a enfanté un fils, effectivement, elle n'avait pas eu de contact avec un homme. C'est la parole de Dieu. Voilà que ses fils a grandi, effectivement, il a commencé à pouvoir prêcher la parole de Dieu. Les gens l'observaient, dit, mais il est bizarre, mais sa façon d'être était complètement différente. Nous continuons. Alors, pendant ses prédications, il dit, mais détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours.
Il ne parlait pas du temple de Pierre, mais il parlait de lui. C'est pour ça qu'il a été crucifié, tout le monde le sait. La crucifixion, parce qu'on fait les chemins de la croix jusqu'à aujourd'hui, crucifié, et puis le troisième jour, il est ressuscité. Et il vit jusqu'à aujourd'hui. Donc, quand on regarde dans le Coran, Mohammed, il est mort. Vous savez, son sépulcre, donc son tombeau est là, enterré. Bouddha aussi, la même chose. Mais en rapport avec la Bible, à Jérusalem, il y a un tombeau vide. Mais vraiment vide. Ce qui veut dire que le Dieu de la Bible a prouvé que sa parole est la vérité. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ s'est mis à dire, quiconque en croit en moi. Vous vous souvenez lorsque Lazare était donc mort. Nous disons cela dans le livre de Jean au chapitre 11. Et juste là, et puis nous prendrons une écriture là. Jean au chapitre 11. Alors il dit... verset, nous pouvons lire à partir du verset 14. Jean 11, 14 dit, « Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi afin de mourir avec lui. » Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Quand on dit 4 jours, ça veut dire qu'il était déjà pourri, décomposé, et il sentait déjà mauvais. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a vraiment pas aucune espérance. Si quelqu'un meurt dans l'heure, effectivement, là, on peut prier pour lui, il revient encore à la vie. Donc, 24 heures, encore un jour, ça va encore. Mais 4 jours... Ça veut dire que l'esprit est parti, le corps déjà pourri. Donc, il n'y a pas d'espérance, puisqu'on sent déjà que cette personne est pourrie. Et c'est comme ça que ça s'est passé avec donc, Lazare. Et voilà que ici il dit qu'il était donc depuis 4 jours, verset 17, verset 18. Mais, et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour le consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie s'était née donc assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si toi tu étais là, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Donc elle avait foi et confiance que lui là, quand il est avec vous, tout est possible. Alors il dit, Marthe dit à Jésus, donc, verset 22, « Mais maintenant même, dit Marthe, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Quelle foi qu'elle pouvait avoir en cet homme qui s'était né là. C'est parce que depuis qu'il était là, il avait eu à pouvoir prouver que chaque parole dans les Saintes Écritures est la vérité. Et tout ce que Dieu a eu à pouvoir annoncer dans les Saintes Écritures était vrai parce qu'au travers de son ministère, Dieu confirmait sa propre parole. Le malade était guéri, le mort était ressuscité. Et là, c'était un cas tout à fait particulièrement aussi compliqué, puisque difficile pour même les croyants, pour même les hommes. Mais là, la sœur de Lazare a eu à prononcer une parole en disant que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. C'est toujours la foi quand on demande qu'on puisse prier pour vous. Il faut que vous ayez la foi que quand vraiment on va prier, parce que ce qui fait que vous obtenez ce que vous demandez, c'est votre foi. Toujours votre foi. Satan combattra toujours votre foi. Parce qu'il veut toujours que vous ayez des doutes, en fait. Or, vous devez savoir, comme nous le sait effectivement, que, en réalité, avec Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu du ciel, il n'y a aucune chose qui lui soit impossible. Et là, il dit, tu l'accordas, que Dieu dit, voilà. Maintenant, verset 23. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Après 4 jours qu'il soit mort et qu'il soit décomposé, qu'il sent mauvais, il lui dit, ton frère ressuscitera. Elle a pensé en disant, je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Mais Jésus lui dit, non, je suis la résurrection et la vie. C'est lui qui croit en moi. Et ça, c'est qui est important. Il dit, c'est lui qui croit en moi vivra quand bien même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela?
Ça, Mohamed ne peut pas le dire. Ça, Bouddha ne peut pas le dire. Parce que Mohamed lui-même, il est mort. Bouddha lui-même, il est mort. Donc tous ceux qu'on peut considérer comme étant des saints, tout ça, ils sont tous morts. Mais lui, il dit, c'est lui qui croit en moi. Il vivra. Mais il faut que tu nous prouves aussi. Regardez très bien. Regardez très bien. Il continue, il dit, merci, souvent, il dit. Parce que Dieu confirme toujours sa parole. Hein. Parce qu'on peut dire, oh, on dit ça pour faire plaisir aux gens, pour leur faire trembler. Non. Il dit la vérité. Il dit, bon, Jésus lui dit, verset 26, il dit, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Et lui dit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. C'est comme ça, dans la version, vous avez. Allez, ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle s'éleva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était donc dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu s'élever promptement et sortir, la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Mais lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit aussi en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus donc pleura. Sur quoi les Juifs dirent, mais voyez comme il l'aimait. Quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Souvenez-vous que l'homme était mort déjà plus de 4 jours. Ça veut dire que, décomposé, il n'y avait plus rien, rien, les poumons pourris, tout, donc il n'y avait plus rien. Donc, les cœurs déjà décomposés aussi, donc pourris. Il n'y avait pas d'espoir que même si, on ne peut même pas mettre le sang parce que les veines, il n'y en avait plus. Donc, tout était complètement pourri. Et il sentait d'ailleurs mauvais. Écoutez bien, j'ai dit, verset 9, Jésus dit, ôtez la pierre. Mais Marthe, la sœur du mort, lui dit, mais Seigneur, il sent déjà, donc il sent mauvais. Il n'y a plus d'espoir, il dit, mais il sent déjà, écoutez bien, car il y a 4 jours qu'il est là. Ça, c'est aussi un témoignage, ça a été rendu pour nous aussi. Ce qui veut dire qu'entendre la bouche maintenant de la pauvre sœur de Lazare, qui dit, quand on dit, mais ôtez la pierre, il dit, mais Seigneur, tout le monde ici va avoir des problèmes de santé. Parce que quand t'es mort, bien sûr que oui, quand t'es mort, quelqu'un mort, effectivement, son corps se décompose, que vous respirez, cela, c'est pas bon pour la santé. Et puis, l'odeur est tellement si forte, effectivement, que ces serrettes nous abondent partout, dans tous les lieux où nous sommes, effectivement. Donc, il dit, mais non, on a mis la pierre pour que ça soit conservé là-bas. Maintenant, il n'y a plus d'espoir. Donc, il n'y a plus d'espoir, pas d'espérance, parce qu'il est déjà mort depuis 4 jours, il sent déjà. Alors ça devait décourager quelqu'un. Ah bien sûr, et puis en plus, là même s'il dit, bon ben, moi je suis assez, je connais, on te dit bien qu'il est mort depuis 4 jours, en plus il sent mauvais. Donc il est décomposé. Tu vas prier sur quoi? Tu vas prier sur quoi? On te dit bien que ça sent mauvais, parce que hein, c'est quand même, tout le monde a dit ça sent mauvais, décomposé complètement, il n'y a plus rien, le cœur, il n'y a plus rien, plus rien du tout. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas seulement dire, ah, gloire à Dieu, soyez consolés, que le Seigneur soit avec vous, et prenez courage. Tu vas seulement dire comme ça, prenez courage et continuez à persévérer, et puis tu rentres. Mais lui, non. Mais c'est pour que nous comprenions la différence qu'il y a entre le Seigneur Jésus-Christ, la parole de Dieu par rapport aux autres, qu'on nous parle effectivement, l'islam, afin que nous sachions que si nous accrochons à lui, il y a une grande différence. Que ce n'est pas une perte de temps ou une illusion, mais une réalité. Regardez bien, ici, effectivement, beaucoup abandonneraient. Et là, on dit effectivement, ici, pardon, c'est ça. Ok, verset 39, donc Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu?
Le problème n'est pas de ce que tu sens, ni ce que tes yeux te montrent, mais de la foi que toi tu peux avoir en Dieu. Ça a toujours été comme ça le problème avec l'homme. Frères et sœurs, et vous le savez, que sur cette terre, il y a des maladies qu'on appelle incurables, ceci et cela. Mais toutes ces maladies, avec la parole de Dieu, il y a la guérison. Parce qu'il n'y a aucune maladie que Dieu ne peut pas guérir. Le problème que nous avons, nous, c'est le problème de doute. Et c'est vrai, notre grand problème, c'est les doutes. Mais Dieu t'a donné une arme assez importante, c'est la foi. La foi n'attend pas de voir d'abord les résultats, mais l'assurance que Dieu l'a dit, donc je crois cela. Marthe, il dit, mais il sent. Mais il dit, mais n'étais-je pas dû? Parce que quand il a parlé avec Marthe, il dit, mais celui qui croit en moi vivra. Donc il ne verra jamais la mort. Donc si tu crois, tu vivras. Mais je t'ai dit aussi que tu m'as dit que ton frère te dit qu'il ressuscitera au dernier jour. J'ai dit non. Moi ici, je suis debout, je suis devant toi, je suis la résurrection. Donc celui qui croit en moi vivra. C'est pour ça qu'il dit que ton frère ressuscitera. Comment est-ce que tu n'es pas. Tu sais que la personne est morte depuis 4 jours. Et puis tu te tiens là avec cette assurance pour dire que celui-là va ressusciter. Je n'ai jamais vu ça, même dans les prophètes. Vous allez me dire, je vais vous expliquer pour que vous compreniez. Vous savez, la tsunamite, quand son enfant est mort, tsunamite, qui avait donné le logis à Élie, qu'est-ce qui s'est passé effectivement? Il a pris les affaires avec son âne, avec son serviteur, parti pour aller. Le mari qui pose la question, mais où vas-tu? Il dit, mais est-ce qu'il y a un problème? Il dit, non, il n'y a pas de problème. Et pourtant, elle avait un problème. C'était son enfant. Il était mort. Donc, il devait s'agiter, commencer à pouvoir crier, pleurer à gauche et à droite, effectivement. Et puis, dans la tristesse, effectivement, non, elle s'est bien levée, elle s'est lavée, habillée, parfumée, propre, effectivement. Son mari qui la demande, il la regarde, effectivement, il dit, mais tu vas où? Est-ce qu'il y a un problème? Il dit, non, il n'y a pas de problème. Mais où tu vas? Mais je veux voir l'homme de Dieu. Il dit, mais c'est quand même pas la période. Il dit, non, je veux aller le voir. Est-ce qu'il y a un problème pour que je le voie? Il dit, non, tout va bien. Et pourtant, son bébé était mort. Ça, c'est la foi. Amen. Qu'on a en fait dans le Seigneur. Et c'est pour ça qu'ils sont partis. C'est quand il est arrivé devant l'homme de Dieu que la tristesse a eu à pouvoir se manifester. C'est pour ça qu'il me dit, mais le Seigneur ne m'avait pas montré ça. Il dit, mais oui, il est mort, il est alité là-bas. Mais je sais que, parce que ton Dieu, c'est pas toi que ton Dieu m'a parlé. Donc je sais que ton Dieu là est capable. Parce que moi, je ne savais pas voir les bébés. Mais ton Dieu, attends, tu as prié, tu as parlé. Il m'a donné un bébé. Donc, c'est Dieu qui a donné le même bébé. Il peut le ramener aussi à la vie. Ça, c'est la foi que nous pouvons avoir, même si les choses sont compliquées. Et voilà que maintenant que Élisée dit, Gehazi, prends mon bâton, va poser sur l'enfant. La femme, elle dit, pas de ma vie, pas de ton homme. Gehazi peut partir, mais toi ici, tu es la personne principale, je reste ici. Gehazi, s'il s'en va, moi je reste ici. Donc, il a vu l'insistance de la femme. C'est comme ça qu'il s'est levé aussi, il est parti. Parce que Gehazi est parti, il a posé le bâton et il ne s'est passé. C'est ainsi que la femme est partie avec Élisée. Lorsqu'ils sont arrivés, vous avez remarqué une chose. L'enfant était déjà alité, sans souffle. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Élisée, il n'a pas dit, on se lève-toi. Non. Il a fait du tout, il s'est couché sur l'enfant, il s'est levé, il a encore fait du tout. Il a mis bouche sur la bouche, le ventre sur le ventre, parce que quelqu'un venait dire, mais ce monsieur est un sorcier. Mais oui. Vous vous souvenez? C'est pour ça que ne limitez jamais Dieu. Ne limitez jamais un homme de Dieu parce que quand Dieu le conduit à une chose, ne pensez pas avoir pensé. Non, il peut faire des choses qui sont, mais ce n'est pas possible. Mais oui, vous imaginez, vous trouvez un petit gamin là, et puis avec un vieux papa déçu. Et puis, qu'est-ce qu'il y a déçu? Mais c'était dans la Bible, hein? Bouche avec bouche. Qu'est-ce que vous allez dire? Ah, c'est la police. Ah, ici, on a vu. Et puis c'était un homme de Dieu. Je l'ai vu de mes yeux, couché sur l'enfant, ventre et bouche avec bouche. Mais en fait, il était conduit par l'Esprit du Seigneur. C'est dans la Bible, hein? Vous savez cela? Et puis quelques temps. Mais si c'était vous, en génération, vous auriez vu voir Élisée couché sur l'enfant, mais tous les journaux allaient être au courant. C'est comme ça qu'après, il a donc repris donc, la vie. Et la maman a pu avoir son enfant. Mais là, c'était 4 jours. La personne pourrit donc, il n'y a rien. Et puis, la sœur dit, mais il sent déjà. Frères et sœurs, notre incrédulité n'arrête que nous. Nos doutes n'arrêtent que nous. C'est ça le problème.
Et puis, on fait toujours confiance simplement aux médecins. Mais les médecins ne peuvent pas vous guérir. Posez une fois la question à votre médecin. Docteur, est-ce que vous pouvez me guérir? Elle vous dit, mais monsieur, vous êtes un peu malade. Mais je vous pose la question. Comment est-ce que votre docteur peut vous guérir? Parce que lui-même, il ne sait pas comment vous guérir. Pour quelle raison? Parce que pour qu'il devienne un médecin, il doit d'abord étudier le corps humain. Et ce corps, ce n'est pas lui qui l'a mis en action. Donc c'est Dieu. Donc il a trouvé un corps, il faut depuis... Parce que moi, je devais faire la médecine aussi, si je ne raconte pas des âneries. Donc je sais que c'est... Il y en a d'autres qui sont médecins. C'est-à-dire qu'on fait ce qu'on appelle la dissection du corps d'être humain. On voit ça, on voit ça, on voit ça. Et puis quand un corps est normal, on sait que quand il est normal, ça fonctionne comme ça. Et quand ça ne fonctionne pas bien, c'est anormal. Donc c'est en étudiant ces choses-là, effectivement, qu'on voit qu'ici, il y a ça, 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 ça. Et puis maintenant, on cherche comment arriver à pouvoir faire telle chose pour que ça vienne. Et puis quand bien même, écoutez-moi très bien, vous m'avez dit, oh mais quand même, monsieur, vous exagérez, parce que quand même, le docteur, il a fait des études et puis il m'a guéri. Votre médecin ne pourra jamais vous guérir. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'il fait quand vous avez des maux de tête? Est-ce qu'il rentre la main chez vous à l'intérieur, dit, bon, paf, je bouge ça comme ça, pipi, poum, ah, vous vous sentez bien? Non. Il dit, bon, attendez, madame, j'ai d'afalgan, paf, comprimé d'afalgan. Il dit, buvez d'afalgan. Mais les d'afalgan qui rentrent à l'intérieur, ce n'est pas lui qui fait les choses avec les d'afalgan. Vous avez jamais remarqué une chose? Regardez ici, s'il vous plaît. Vous avez remarqué une chose? Quand vous allez, par exemple, chez le médecin, vous avez des maux de tête avec quelqu'un d'autre, bon, il vous donne un comprimé d'afalgan. Aussi à votre voisin prend le comprimé, il dit, ah, je me sens bien. Mais vous, vous donnez un comprimé, ça ne marche pas. Pourtant, c'est le même comprimé. Ça ne marche pas. Pour quelle raison? Parce que le voisin, là, qui a dit que quand j'ai pu, je me sentais bien parce qu'il a cru. Que ce comprimé-là, quand je le prends, il va m'aider. Vous comprenez? C'est toujours la foi. Oui. Bon, vous connaissez ce qu'on appelle placebo? Ce sont des choses qui ne sont pas des médicaments. Mais des capsules vides. Il n'y a rien du tout. Tu es là, je suis malade, je n'ai pas bougé, ah, tout l'intérieur, le ventre, faites des radios, faites des ceci et de cela. Puis le médecin dit, bon voilà, on va vous donner un médicament pour votre mot de ventre, tout ça, ce qu'il y a là-bas, tout s'arrêter et dire, ah merci docteur, il faut combien de comprimés par jour? On a seulement un comprimé. Quand on vous donne ça, le vent de ventre, on prend un truc, peut-être, vous savez, c'est peut-être un morceau de pain, voilà. Juste ces morceaux de pain qui a été coupé un peu comme un peu des médicaments. On a mis un peu du blanc autour, effectivement. Et puis on te donne, tu mets dans la bouche, tu mâches un peu, puis tu avales. En mâchant, ça va faire l'action dans la bouche. Ça va, c'est ça. C'est rempli, effectivement. La salive va amener dans des intestins, tout ça. Et tu prends, tu dis, oh, c'est les comprimés. En fait, c'est du pain qu'on t'a donné. Quand tu as pris ça, 5 minutes après, ah, docteur! Ouh, je me sens bien, les maux de ventre ont cessé, et tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez cru que c'était en fait un comprimé. C'est pour ça, quand vous dites, mais je ne peux pas croire en Dieu, mais en fait, vous croyez quand même, d'une manière ou d'une autre, dans ce qu'on vous dit. En fait, en revenant à ce que nous disons, donc, les docteurs ne peuvent pas vous guérir. Parce qu'il n'y a qu'un seul guérisseur. C'est le Seigneur qui a dit, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui guérit toute maladie. Et les docteurs eux-mêmes, ils vous rendent témoignage, sans qu'ils vous le disent de leur bouche. Quand vous allez chez le médecin, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez quand même là, avec un serpent, non? Vous n'avez jamais prêté attention? À quoi? Avec un serpent, c'est les sigles de médecin. Donc tout le médecin, effectivement, dans la majorité, ils ont ces sigles-là, effectivement, paf, vous voyez un serpent, effectivement, sur l'expédomain. En fait, c'est exactement ce qui s'était passé avec Moïse, amen, avec les serpents d'airain. Oui, il vous montre par là que nous ne sommes pas des guérisseurs. Il n'y a que Dieu seul qui guérit. Amen. Vous direz, monsieur, vous racontez des âneries, mais allez chercher sous vos endroits que vous cherchez. On va vous raconter ça. Il dit, l'origine de cela, ça veut dire que, en fait, ils ont tiré cela de ce que Dieu guérit. Amen. Les médecins, ils savent très bien que ce sont des hommes. Ils ne peuvent pas vous guérir, en fait. Ils essaient de pouvoir vous expliquer les choses, effectivement. Mais vous, vous avez foi dans ce que le médecin vous dit par rapport à ce que Dieu vous dit. Vous voyez, là, par exemple, les médecins qui viendraient, ils diraient, mais ces hommes sont des malades. Avec tout ce qu'on a fait comme examen, on peut voir, vous pouvez que ces messieurs, il n'y a pas d'espérance. 4 jours. Il est pourri. Quel est le médecin qui peut te dire que c'est possible?
C'est impossible. D'ailleurs, toi-même aussi, dans ton esprit, c'est impossible. N'est-ce pas? Mais voilà que cet homme ici qu'on appelle Jésus. La, même la sœur dit qu'il sent déjà. Lui, il revient encore. Parce que vous voyez que ces chapelles, oh, que c'est vrai, il sent, donc on ne sait rien faire. Il dit non. Il dit, mais ne t'ai-je pas dit que si toi, tu croyais, tu verrais la gloire de Dieu. C'est ce qu'il lui a dit ici, non? Je pense que c'est cela où on dit, alors c'est pas dit, voilà, voilà. Verset 40, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. N'est-ce pas? Verset 41. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Il pouvait dire que je te supplie, je t'implore la grâce, comme je suis là, que tu puisses m'exaucer pour que ces gens... Non, il a dit, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Donc pour lui, c'était déjà accompli. C'est écrit, hein? Tu m'as exaucé, ça veut dire que tu m'exauces. Tu m'as exaucé. C'est-à-dire qu'avant même qu'il savait très bien qu'il serait donc exaucé, que c'était déjà exaucé. Donc il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi dans la parole de Dieu. Et écoutez bien, il dit, mais pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et en dit cela, il cria d'une voix forte. Est-ce que vous comprenez? C'était quoi? Lazare. Il a crié. Vous vous souvenez, nous en avons déjà parlé ici. Hein? J'ai dit, il y avait beaucoup de morts dans les quartiers. Parce qu'avec l'autorité qu'il a, s'il dit que les morts sont, tous les morts devaient s'élever. Mais il a fait la différence. Il a appelé celui qui voulait faire sortir. Dans ce sombo qui était là, effectivement, le seul qui connaissait, qui le connaissait aussi. Parce que quand tu crois en lui, même si tu dors aujourd'hui, parce que les chrétiens ne meurent pas, hein, les chrétiens dorment, il veillera sur toi. Ah oui, c'est sûr et certain, nous l'avons entendu, il est toujours fidèle. Et quand il a crié Lazare, sort, donc dans tout ce qui était là, c'était le nom de Lazare qui était appelé. Parce qu'il était venu, pas pour quelqu'un d'autre, mais pour Lazare. Quand il a dit Lazare sort, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, les corps qui étaient pourris. Est-ce que vous suivez? La Bible nous dit dans Genèse chapitre 1, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Dieu a créé ici la terre comment? En prenant des matières pour dire, je fabrique les cieux, je lance en haut. Non, par la parole. Il a dit et les cieux ont été créés. Chaque fois que Dieu disait quelque chose, donc il crée par sa parole. Donc toi, tu es la création de Dieu par la parole. Amen. Tu diras, mes frères, mon frère, ma maman m'a enfanté, mais avant que ta maman soit qui était avant ta maman. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et avant, il vient d'où? Est-ce que vous comprenez? Amen. Faisons l'homme à notre image. Amen. On dit Dieu créa l'homme à son image, mais c'est par sa parole. Amen. C'est après maintenant... Quand il a créé la terre, effectivement, qu'il a formé la poussière de la terre, ça dit que tu retourneras la poussière, tu as créé la terre, la poussière. Vous comprenez cela, non? Pour les parties, je vais lire en écriture. Donc, nous remarquons que simplement que c'est la parole de Dieu qui a la puissance de la création de transformation. Donc, quand il a dit Lazare sort, il n'avait pas à pouvoir expliquer. Bon, parce que vous vous souvenez dans la Sainte Écriture, non? Que les eaux produisent des poissons de toute espèce. Il a simplement dit, la parole qui est sortie a produit les poissons selon la vision de Dieu. Et quand il a dit Lazare, sort, la parole de Dieu a été, il a créé les eaux, il a recréé effectivement les veines, il a recréé effectivement le cœur, donc tout ce dont Lazare avait besoin, l'esprit aussi est revenu. Il a simplement dit, et tout a compris, l'esprit est revenu, le cœur est revenu, le sang est revenu, le cheveu a poussé. Alléluia! On voit simplement Lazare qui sort, après 4 jours, alléluia! L'homme est sorti vivant. Pourquoi? Parce que le Jésus, le Yahvé de l'Ancien Testament, c'est le Jésus du Nouveau Testament. Il dit, la chose arrive, il ordonne, elle existe. Mon frère et ma soeur, nous vivons avec un Dieu vivant. La Bible est la parole de Dieu. Si tu crois la parole de Dieu,
tu reçois ce que Dieu a dit. Notre problème, c'est la foi. Ce livre ne peut pas être comparé avec aucun autre livre. Je voudrais vous prouver quelque chose. Mon frère docteur, tu peux me le projeter juste que vous puissiez vous-même voir de vos propres yeux. Parce que ça, c'est quelque chose qui ne peut pas arriver avec ce qu'on appelle le courant. Les hommes sont beaucoup plus incrédules. Frères et sœurs, nous avons une grâce extraordinaire, c'est de pouvoir avoir un don particulier, c'est la parole de Dieu. Et ce qui est merveilleux, c'est que l'auteur de cette parole ne nous a jamais laissés seuls. Pour quelle raison? Parce que vous et moi, nous avons quelque chose de tellement important que lui regarde comme étant la chose qui est aussi précieuse à ses yeux. Il a dit à Jérémie, « Que vois-tu donc, Jérémie ?» Il a répondu, « Je vois une branche d'amandier. » Qu'est-ce qu'il a dit? Tu as bien vu parce que moi, dont Dieu, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Donc en toi, tu reçois cette parole. En toi, c'est Dieu est censé veiller sur toi. Et c'est comme cela qu'effectivement que nous remarquons qu'il a dit que voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de temps. C'est à cause de la parole, effectivement. Parce que cette parole est toujours d'actualité. Mon frère, ma soeur, Dieu est toujours présent. Et partout où la parole de Dieu est prêchée et apportée, le Seigneur est toujours là. Alors, je voudrais bien que vous voyez cela. Je pense que l'image n'est pas tellement très bonne. Mais je veux que vous voyez seulement parce que je vais continuer. Ici, nous voyons... J'ai quand même un peu trop chaud. Peut-être qu'on peut du bien un tout petit peu. Frères et sœurs, vous savez que le doute, parce que vous dites, mais ceci est la parole de Dieu.
Et Dieu nous l'a confirmé tout à l'heure, effectivement, démontrant que, frère, c'est parce que nous ne considérons pas les choses de Dieu comme Dieu nous l'a demandé. Parce que si nous prenons la parole de Dieu comme Dieu l'a dit, sûr et certain, ta vie à toi ne sera plus jamais pareille. Le problème, ce que nous disons, nous sommes des croyants, mais nous ne croyons pas. Mettez-moi la lumière encore ici, allumée, frère, parce que disons que nous sommes des croyants, mais en fait, nous ne croyons pas. Quand la Bible dit quelque chose, on a difficile de pouvoir croire ce que la Bible dit. C'est difficile de pouvoir réaliser effectivement que le Seigneur qui a prononcé sa parole dans ce livre, il est celui qui veille sur cela. Je voudrais lire avec vous ce matin, parce que je ne vais pas retenir effectivement. Je voudrais que vous puissiez comprendre cela et voir aussi. La preuve, quand vous sortirez chez vous à la maison, quand vous rentrerez, comme nous l'avons entendu, procurez-vous une Bible. Et quand vous allez lire la Bible, ne la lisez plus comme auparavant. Ce n'est pas un livre comme tous les autres livres. C'est un livre qui est tout à fait particulier. Et ça, ça nous montre qu'effectivement, que dans les ciels, il y a un Dieu. Et c'est Dieu qui nous a accordé la grâce d'avoir quelque chose qui est aussi important pour lui et pour l'homme aussi. Parce que dans ceci, il a dit bien, c'est un livre de vie. Parce que voir ce qui s'est passé, ils ont tous été convertis. Alors, dans le livre de Thessaloniciens, je voudrais lire en Thessaloniciens au chapitre 5, quelques portions de l'écriture. Et puis, nous allons prier, je vais vous laisser partir chez vous. En Thessaloniciens au chapitre 5. Maintenant que nous comprenons quand même que ce que Dieu dit dans sa parole est la vérité, mon grand, on peut partager avec toi quand même ton ventilateur. Un moment aussi, un tout petit peu, sinon je vais commencer à tout. Alors, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, je voudrais que nous lisions le verset 1. Il nous dit, verset 1, il dit, mais pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme le douleur de l'enfantement surprenne la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons point comme les autres, mais veillons et soyons donc sobres. Amen. Nous voulons te dire merci. Seigneur, tu nous as prouvé, témoignant que tu es vraiment l'auteur de ta parole. Afin que réellement nous puissions être aussi attentifs à ta parole à toi, que nous réalisons la grâce perturbissante que nous avons de pouvoir nous trouver dans un endroit où ta parole à toi est prêchée dans sa vérité, Père, oh Dieu, pour que les âmes puissent arriver à pouvoir vivre. Parce que tu veux que les gens vivent, mon bénémoine Père Saint. C'est aussi cela, la grâce que nous avons trouvée dans ma face pour pouvoir entendre ta parole et croire aussi en toi, Père. Bénis cette parole perturbissante, aide-moi et pardonne-moi, mon sauveur. J'ai besoin de toi parce que nous avons tous besoin de pouvoir t'entendre, Père. Je suis un homme, j'ai beaucoup de manquements, Père, mais j'ai besoin de ton secours, ton soutien pour que nous tous ensemble nous puissions bénéficier de ta grâce encore aujourd'hui, Père. Parle-nous, Père. Je demande cette grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous. Donc nous réalisons dans cette écriture que nous avons lue, je crois qu'il y a deux fois ou trois fois, dit, pour ce qui concerne des temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Parce que quand on vous appelle frère, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé pour que nous soyons appelés frère. Dans les Saintes Écritures, d'abord, pour que d'une manière aussi simple, en fait, que chacun de nous comprenne, pour que dans une famille, vous soyez appelés frères et sœurs, effectivement, ce qui veut dire que vous êtes nés dans la même famille. Vous avez donc le même père et la même mère. C'est là qui fait de vous frères et sœurs. Parce que vous voyez, donc quand vous êtes de la même famille, effectivement, quand tu vois ton frère, tu dis, c'est mon frère, parce que tu dis qu'il y a un problème, papa, voici, mon frère tel, il a fait ceci, ou maman, voici, ma soeur tel, il a fait ceci, effectivement, parce que vous avez un lien qui vous unit, en fait. Sans ce lien-là, vous ne pouvez pas vous appeler frère et soeur. Donc, le monde nous montre cela aussi. Et ici, donc, dans la Bible, nous dit, mais pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère. Donc, frère en Christ, qu'on vous en écrive. Alors, comment est-ce que nous devenons frères et sœurs en
en Christ. Donc, nous voyons que dans les Saintes Écritures, la Bible dit une chose. Jean chapitre 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et dit, toutes choses ont été faites par rien de ce qui a été fait ne pouvait exister sans elle. Et puis il dit encore, en elle était la vie. La vie était donc la lumière des hommes. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Vous entendez cela? Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom. Parce que si nous appelons frères, nous devons quand même être frères de quelqu'un. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit? Tu es mon fils. C'est Hébreu, non? Au chapitre 1. Je t'ai engendré aujourd'hui. Et dans Colossiens au chapitre 1, il est le premier-né. Tenez bien, nous pouvons lire cela avec vous, Colossiens au chapitre 1. Et verset 1, je pense. Colossiens chapitre 1. Voilà. Disons. Colossiens chapitre 1, nous disons ceci, verset 15, il dit, le Fils est l'image du Dieu invisible. Je vais quand même prendre un vôtre ici, puis je vais lire aussi. C'est la même chose, mais comme vous savez, j'aime bien être aussi dans le même diapason que vous. Colossiens chapitre 1, verset 15, il nous dit, voilà. Il est l'image du Dieu invisible. Vous suivez? Le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, le visible, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste donc en lui. Donc, Dieu a voulu aussi avoir des fils, mais il a eu à pouvoir effectivement aussi au travers de lui. Voilà, les Hébreux nous le diront effectivement. Donc, nous comprenons effectivement que, comme l'Écriture nous fait savoir, que à ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu qui effectivement, qui ont reçu la parole qui a été faite chair. Parce que Jésus-Christ, notre Seigneur, est la parole de Dieu faite chair. C'est écrit dans Jean chapitre 1, verset 14. Et quand on dit qu'elle est venue chez les siens, donc cette parole est venue chez ceux à qui la promesse a été faite, donc c'est les Juifs effectivement, mais ils ne l'ont pas reçue, ils ne l'ont pas acceptée, ils l'ont rejetée. C'est pour cela qu'ayant été rejeté par les siens, on l'a amené vers le païen, donc Pilate, comme Romain, qui a eu à pouvoir effectivement, c'est qui ne voulait rien avoir avec lui, mais qui, par la pression de religieux, on dit que tu ne le fais pas, tu n'es pas ami de César. C'est pour ça qu'il a lavé la main, effectivement, dit, mais il a posé d'abord la question, dit, voici Barabbas, voici Jésus, lesquels voulez-vous que je puisse libérer, parce que Jésus n'a rien fait. Barabbas était un voleur, effectivement, parce qu'il voulait que Jésus soit libéré. Mais le peuple poussé par les religieux dit, non, mais que Barabbas soit libéré. Dans son étonnement, il dit, mais alors, mais qu'est-ce que moi, Romain, je ferai avec ce Jésus qu'on appelle le Christ? Parce que c'était donc, c'est le Messie qu'on vous a envoyé, que je peux faire effectivement. La réponse était, crucifiez-le. C'est comme cela qu'effectivement, qu'on l'a réellement. Donc, ils ont rejeté effectivement le Messie en réalité. Et les chrétiens nous font savoir que en Israël, ceux-là que Dieu avait connus aussi d'avance, ils ont eu la possibilité de reconnaître. Et qu'ils ont eu à pouvoir croire, comme vous voyez bien, Jean, tout cela, effectivement, à la peine d'effectivement. Donc, il dit, mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de la volonté de Dieu. Donc, c'est là qu'on parle effectivement de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance n'est pas le baptême du Saint-Esprit, non. Le baptême du Saint-Esprit confirme la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est quand vous croyez vraiment de tout votre cœur que Jésus-Christ, notre Seigneur, est votre Sauveur, vous l'acceptez dans votre vie. À ce moment-là, il y a une expérience effectivement que vous allez expérimenter au-dedans de vous.
vous sentez qu'effectivement que quelque chose est entré en vous, là maintenant, effectivement, c'est le travail qu'on appelle la justification que Dieu fait, effectivement, à l'intérieur de la personne qui quitte, effectivement, le monde, effectivement. Et c'est là maintenant que la nouvelle création entre maintenant en ligne de compte, où on nous parle, effectivement, qu'un nouveau cœur, et un esprit nouveau, ainsi de suite, effectivement. Ça, vous le connaissez aussi. Donc, là maintenant, c'est une nouvelle création, donc une nouvelle naissance, où maintenant, nous sommes nés maintenant des dieux, et on nous appelle maintenant les enfants des dieux. Alors, si lui, pardonne-moi mon frère, si lui, un voleur dans le monde, qui vole tout le temps, il voit ses chaussures, il vole, il voit le manteau, il vole, et toi, bon, qui étais peut-être élevé dans une maison où vous ne volez pas des chemises, mais des moutons, c'est différent, où vous faisiez la... C'est vrai. Et maintenant, bon, vous n'étiez pas ensemble avec lui, lui, de son côté, il venait de son côté, effectivement, mais vous étiez toujours aussi des gens qui menaient aussi des vies qui n'étaient pas bonnes. Et puis, il n'y a rien, effectivement, dans votre vie qui veut vous unir avec un monsieur comme celui-ci. Enfin, je parle celui-ci, pas Frère Jonas. Comme celui-ci, effectivement, parce que lui était un voleur des chaussures, toi, tu es peut-être un voleur des moutons, donc il n'y a pas de relation avec les voleurs des chaussures, les voleurs des moutons. Est-ce que vous comprenez? Mais il s'est avéré qu'à un moment, vous promeniez, et sur la route, vous vous êtes rencontrés, vous ne faites même pas attention l'un à l'autre, et vous arrivez à un certain moment, quelque chose qui se passe, et puis bon, vous entendez que non, il y a un monsieur qui parle de quelque chose là-bas, qui s'y parle, effectivement, ben, il parle des choses qui concernent la vie, et puis d'un certain Jésus, et nous voulons un peu nous approcher, vous vous approchez. Et vous entendez la parole de Dieu, vous parle effectivement de ce Jésus qui a été envoyé, que ce qu'il a fait pour vous, vous réalisez que votre cœur a été complètement touché. C'est comme ça que ça s'est passé le jour de Pentecôte. Quand le Saint-Esprit descendait, effectivement, les apôtres ont commencé à montrer aux hommes que celui que vous avez rejeté, livré, effectivement, c'est celui-là dont Dieu avait parlé, dont Moïse avait parlé, dont David avait parlé. Le Jésus, effectivement, c'est effectivement lui le Messie. Donc Dieu a prouvé, effectivement, qu'il est le Messie en envoyant le Saint-Esprit que vous voyez, effectivement. Le cœur de ces hommes ont été touchés. Quand le cœur a été touché de l'un, l'autre, effectivement, chacun d'eux qui était venu a eu à pouvoir entendre la parole et le cœur a été touché. Ils ont eu à pouvoir poser la question aux apôtres, mais ô homme frère, nous avons réalisé que nous avons vraiment manqué de qu'est-ce que nous ferons. Il leur a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. En fait, c'était chacun individuellement qui était là. Et comme la parole a touché chacun dans leur cœur, effectivement, Pierre leur a dit, qu'est-ce qu'on a vu? On a dit 3000 âmes qui avaient reçu la parole de Dieu avec bon cœur, ont été donc baptisés. Mais c'est après le baptême qu'ils se tournent, ils voient à côté, ah, Jésus est cité ton nom quand même, hein. Ils voient à côté, Jonas. Mais en fait, je ne connaissais pas Jonas. Puis Jésus dit, Jean Gabin. En fait, avant, ils ne se connaissaient même pas. Mais quand ils ont pris, ils ont reçu le Seigneur, ils ont été baptisés, leur vie changée, ils ont réalisé que nous avons reçu le même Dieu. Nous avons reçu la même foi, le même Père dont nous sommes nés de lui. Donc celui-ci est mon frère. C'est pour ça que nous nous appelons frères et sœurs. Donc quand tu appelles Jonas frère, ça veut dire qu'il est vraiment ton frère. Quand tu appelles ma sœur ici sœur, c'est qu'elle est vraiment ta sœur. Parce que le grand problème, c'est que nous privilégions toujours nos relations charnelles. Quand c'est ton frère avec lequel vous êtes né en fait de la même famille, quand il y a un problème aussi avec un frère, effectivement, qui est né en fait de la parole, dans l'assemblée, votre frère en Christ, effectivement, quand il s'agit de pouvoir apporter de l'aide, on tourne souvent vers les membres de notre famille. Nous sommes charnels, bien sûr que oui. Toujours à pouvoir privilégier quand même ceux que nous avons, en fait, avec qui nous sommes nés dans la même famille, même sans, effectivement, dire, ça c'est mon frère. Et puis, quand on regarde Jonas, il est un frère, mais en fait, vraiment un peu. Or, quand vous et moi, nous avons reçu le Seigneur, nous avons expérimenté la nouvelle naissance, notre famille naturelle, elle devient en second. Je sais que ça, on n'aime pas. Je sais que ça, ça ne plaît pas beaucoup. C'est la même chose avec les papas, les mamans, tout ça. Si vous avez cru au Seigneur, oui, ce n'est pas surtout votre bébé, votre enfant. Ce n'est pas mon bébé, mon enfant. Ce n'est pas toujours votre enfant que vous devez privilégier. Privilégier, effectivement, ce qui est juste, ce qui est dans la parole de Dieu. Et ceux qui sont nés de Dieu aussi. Parce que c'est souvent la famille, la véritable que nous avons, c'est celle qui est en... Voilà. Est-ce que vous croyez cela? Bon, quand vous dites Amen, il faut vraiment croire. Est-ce que vous croyez? Ce qui veut dire que maintenant, quand vous regardez Frère Jonas,
et avec votre frère qui est resté au Congo. Votre frère, il dit ici, il me manque 50 dollars pour pouvoir acheter le sac de ciment, le sac de semoule pour mes enfants. Frère Jeunesse, il dit, mais il me manque 50 euros pour nourrir, comment il s'appelle, Mervedi et tout ça. Vous êtes là entre les deux. Il y a Frère Jonas ici, il y a ton frère là-bas, né là-bas au Congo, qui souffre, il n'a pas de travail. Et Frère Jonas ici à côté, il dit, Mervedi aussi, il manque du pain pour aller à l'école. Et puis bon, les frères là-bas, qui est là-bas, lesquels tu vas aider? Il ne faut pas mentir, vous savez, hein? Il ne faut pas mentir et dire, alléluia, nous sommes des chrétiens. Non, il ne faut pas mentir, vous connaissez. Lesquels? Oh oui, mon frère, ah papa, maman, ah, il n'a pas 50 dollars. Bon, Frère Jonas, il est ici de toute façon pour nous. Mais lui, là-bas, il est au fond. Quand même, on comprendra. Mais non, Dieu ne va pas comprendre ça comme ça. La personne que tu dois aider, c'est Jonas. Maintenant, avec Jonas, je dis, bon, voilà, j'ai mon frère qui est là-bas. C'est le frère de mon frère. Est-ce que vous avez compris? C'est cela que nous faisons. Les frères de mon frère. Les frères de mon frère. Il est aussi... Parce que la douleur de mon frère... C'est aussi, et la joie de mon frère, c'est aussi, voilà. Alors quand il va m'expliquer maintenant qu'effectivement que j'ai mon frère qui est là-bas, qui, voilà, il n'est pas bien, ceci et cela, lui quand il va entendre, est-ce que vous comprenez? Parce que devant Dieu, qu'est-ce que tu as fait? Tu as montré que celui, est-ce que vous me suivez? Amen. Tu as montré que celui que tu aimes, que tu veux aider malgré qu'il est là-bas, il n'est pas bien, c'est vraiment le Fils de Dieu. Avec qui vous êtes né. Tu as dit, Seigneur, j'aime parce que tu m'as montré qui était cet homme. Je ne le connaissais pas, mais tu as fait de moi un fils. C'est là que Dieu nous éprouve dans notre foi, pour savoir si nous croyons vraiment, ou bien nous sommes là simplement pour se réjouir, pour entendre. Non, nous devons vivre l'évangile. Alors, quand tu as donné maintenant à Jonas, qui est ton frère, mais puisqu'il est ton frère, tu partages avec lui. Tu dis, mais voilà mon frère, je voudrais qu'on prie. Il dit, on va prier, pourquoi? Ben, j'ai mon frère qui est là-bas au Congo, qui n'a pas mangé, qui a mal de difficultés, effectivement. Je veux qu'on prie pour que les Seigneurs puissent toucher le cœur de l'un pour qu'il soit aidé là-bas. Il dit, mais il lui manque combien? Non, il avait besoin de 50 dollars, si on peut prier. Jonas va dire, oh, là-bas, la personne a faim et qu'il a besoin de l'aide pour l'argent. Il dit, ah Seigneur, moi, tu m'as accordé la grâce de voir. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais partager. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'un fils de Dieu ne peut pas être insensible à la douleur de l'autre. Or, toi, quand tu as donné à Frère Jonas, Dieu t'a béni. Amen. Maintenant, Dieu va aussi bénir ton frère là-bas. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que quand vous posez l'acte que Dieu veut que vous puissiez poser, même vous avez les cellules, effectivement, Dieu va en prendre soin, frère. Parce que Dieu n'est pas un Dieu ingrat. Donc, quand nous disons que nous sommes... C'est pour ça qu'il faut que notre façon de voir change. Notre mentalité change, frère. Parce que nous devons avoir un amour fraternel sincère, vraiment sincère, sans hypocrisie. Donc quand je dis que c'est mon frère, c'est vraiment mon frère. S'il a un problème, ça devient le mien. Je n'ai pas entendu d'amen. Parce que frère et soeur, si vous n'avez pas cela dans votre cœur pour ce frère que vous voyez, ou dans quel ciel vous allez partir? Dans quel ciel vous allez partir? Je ne sais pas dans quel ciel vous allez partir. Parce que pour aller dans les ciels, nous devons avoir l'amour les uns pour les autres. Plus que l'amour des pharisiens, plus que l'amour des sadducéens. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'amour des pharisiens et des sadducéens, ils aiment seulement ceux qui les aiment. Mais ils n'aiment pas ceux-là qui ne les aiment pas. Mais toi et moi, nous sommes appelés à pouvoir aimer ceux qui nous détestent, effectivement. Ça, ce n'est pas facile. Donc, appeler frère et soeur, aux yeux de Dieu, nous devons comprendre que c'est mon frère. C'est ma soeur. Et puis toi qui es frère du frère ou sœur de la soeur, tu dois aussi penser aussi qu'effectivement que je dois aussi prendre soin de mon frère, de ma soeur, chacun de nous ainsi. Alors il dit, nous lisons dans Thessaloniciens, effectivement, je dis que je ne vais pas rester longtemps pour que nous puissions partir. Voilà, nous retournons dans Thessaloniciens. Donc, vous, frères, vous n'avez, vous donc, frères, c'est-à-dire que ceux-là qui ont reçu le Seigneur, et qui sont demeurés dans la foi, vous comprendrez pourquoi. Et pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Et quand la Bible dit que ce jour viendra comme un voleur dans la nuit, c'est certain, ça viendra vraiment, alors vraiment, comme un voleur dans la nuit. C'est sûr et certain.
Quand le voleur vient pour pouvoir vous dérober, pour voler chez vous à la maison, il ne va pas vous prévenir avec un coup de fil ou un SMS, un message sur WhatsApp en disant non, à demain, donc mardi ou vendredi à 19h30, je viens pour pouvoir voler tes bijoux ou voler ton argent. Effectivement, je te envoie d'abord un message pour te prévenir, de te préparer que je vais te voler. Il ne prévient jamais. Il attend, il surveille pour avoir un moment. Je vous ai déjà raconté ce qui s'est passé chez moi à la maison. Ah oui, on habite en province, vous savez, on arrive là-bas, bon, c'était un quartier calme, tout ça, il n'y avait pas de problème, on arrive, je ne ferme même pas la maison, j'étais à la maison comme ça, et un jour, j'avais même oublié les clés de ma voiture sous la portière, comme ça, toute la nuit, sur le lendemain matin, je trouve ma voiture là. Alors, c'est l'habitude qui s'est installée, hein, puis un jour, j'arrive comme ça, je devais partir parce qu'il y avait un cas où je devais partir en France, et évidemment, je suis arrivé tard, parce que c'était après la réunion, je dépose sur ma table, le bureau, enfin, la table de la maison, je fais mon portefeuille, comme ça, et puis, à ce moment-là, c'était au moment des GPS qu'on avait, et pour, les voitures n'avaient pas encore, avec les GPS à l'intérieur, et ces GPS étaient un cadeau de notre soeur Bambino qu'il m'avait donc offert, que Dieu la bénisse richement. J'ai jamais oublié ça, mais la pochette aussi jolie. J'ai mis là mon portefeuille et les clés de la voiture, juste ici. Et je viens, je tire la porte, vraiment tire la porte. Je ne savais pas que les voleurs observaient. Tout bonnement. En plus, ce qui était bizarre, c'est que j'ai préparé des choses pour les voleurs. Portefeuille, GPS, et puis les clés de la voiture. Vraiment, mais c'est la vérité. J'ai mis ça en ordre, comme ça, j'ai dit, quand je vais le matin, papa, je pars. Et les voleurs, lui, il ne cherchait pas autre chose que parce qu'on les voyait fouiller dans les armoires, tout était placé. Moi, je rentre là-bas et je dors. Et je ne sais pas s'ils avaient pompé, j'en sais rien, quoi que ce soit, effectivement, mais j'avais encore Jacob, votre frère, vous connaissez, non? Il y a des ans. Alors, il dormait en bas. Et voilà que... Il était dans le coin là-bas, parce que vous savez comment il est ici, il s'est réveillé, il trouvait les voleurs, c'est l'autre jour, mais il dormait en bas. Attendez, moi j'étais en haut. Et voilà que vers, si c'est 3h du matin, parce que mes sommeils à moi se coupent toujours. Et je me lève, je sors, et puis je devais rentrer dans la piscine. Puis je regarde en bas, je vois la porte de la maison était donc laissée ouverte comme ça. Je dis, mais... Qui peut avoir oublié, parce que je suis presque le dernier qui s'est monté l'escalier, mais qui peut avoir oublié la porte ouverte? Quelque chose me dit, descendez donc là. Je descends. Je pousse la porte. Puis je regarde, parce que j'avais toujours l'habitude qu'avec mon sac dans lequel la Bible, je la mets là, parce que je descends, je prends tout ça, puis je prends mon sac de la Bible, je suis parti. Je regarde où se trouvait mon sac de la Bible grande, il n'y a pas. Je dis, mais est-ce qu'on a fait monter mon sac en haut? J'ai dit, bon, il n'y a rien. Je vais d'abord vérifier quelque chose dans le salon. Je rentre dans le salon sur la table, je regarde, portefeuille, parti, GPS, parti, et les clés de la voiture, parti. Notre cher ami ronflait là-bas dans le coin, avec un sommeil, vous ne pouvez pas vous imaginer. Je n'ai rien dit, je n'ai pas alarmé la maison. Je regarde, effectivement, je sors, j'avais une voiture, vous la connaissez, c'est la Jaguar que j'avais à l'époque. Je sors, puis je regarde, en fait, dans le garage ici où c'était stationné la voiture, je regarde, vide. J'ai dit, Seigneur, non, ça ne m'est jamais arrivé. Il dit, Seigneur, je rêve. J'ai dit, c'est pas possible. J'ai tout d'un coup dit, c'est pas possible. J'ai regardé. Et puis Jacob avait aussi sa voiture. Donc toutes les clés, même les clés de sa voiture étaient sous la table. Donc il avait sa voiture qui était aussi devant. Je regarde devant la maison pour sa voiture. La voiture n'est plus là. Oh, je dis, Seigneur, je suis dans le sommeil ou je suis vivant? Je rentre dans la maison, je me gratte. Et puis, je ressors encore, je regarde, je vous dis la vérité, je regarde, il n'y a rien. Et puis, oh, mon cœur n'a pas paniqué. J'ai dit, mais Seigneur, on m'a volé. Alors maintenant, j'ai dit, votre sœur, puis j'ai dit, bon, je n'ai rien dit, je suis monté. Maintenant, je descends vers l'homme fort. J'ai dit, mon grand, j'ai commencé à dire, mais on nous a volé. Où est-il? C'est qui? Comme ça, hein? J'ai dit, quand tu vas me boxer, moi, mais calme-toi, je ne suis pas le voleur. J'ai dit, quand il est entré ici, tu étais là.
C'est lui que tu devais boxer. Pas moi. Mais tu étais là. Tu étais rou, rou, rou. Maintenant, moi, je vais te prévenir. Tu vois, oui, où est-ce qu'il est? Je vais trouver. Il est pas dit. J'ai dit, on nous a volé. Mais la nouvelle est que ma voiture, elle est partie. La tienne aussi partie. Ils sont. Où c'est? Mais je dis, mais je ne connais pas la piste. Ce qu'on sait, ce que je sais, ce qu'on nous a volé. Et voilà que quelque chose me dit, mais sors et marche un tout petit peu. Et puis je sors et je marche un tout petit peu. Nous avons un coin là-bas comme un pont. Je jette la regarde, je vois une voiture au milieu du chemin. C'était pendant l'hiver. Mais les volets, c'est toujours pendant l'hiver qu'ils viennent voler. Et puis je rentre, je regarde, je m'approche, je dis, hé. Je commence, je reconnais la Jaguar. Il dit, alléluia. J'arrive, j'ai dit, oh, Dieu du ciel, tu es bon. Je trouve, la portière était ouverte et les voleurs, parce qu'ils avaient les clés, j'avais laissé les clés. Ils ont mis la clé dans la Jaguar, parce que comme ils avaient volé, et que c'était, donc vous savez que chez moi, à la maison, il y a un endroit où j'avais mis la voiture, elle est tout près de la maison. Donc s'ils avaient démarré là, j'allais entendre. Donc ils ont poussé. Et vous connaissez comment sont les voitures comme les Jaguars, il y a les sécurités de Dieu. Et puis, comme c'était une voiture aussi automatique, je crois qu'ils n'avaient pas beaucoup de notions. Ça, tout ça, c'était Dieu qui gardait la voiture. Pousser jusqu'au pont pour aller maintenant démarrer et partir. Mais quand ils ont poussé, ils arrivaient là-bas, la sécurité s'est déclenchée. Maintenant, démarrer pour que la voiture puisse démarrer, rien. Et quand je trouve là-bas, c'était la débandade en fait. Ils ont d'abord fouillé, puis ils ont fouillé. Maintenant, la voiture de Jacob, comme c'était une voiture simple, ils ont démarré. Tout ce qu'ils avaient volé de la maison, ils ont mis dedans. Et ils sont partis, ils ont fouillé. Et moi, je dis, c'est moi, Jacob, la mienne. Je viens de la trouver. Et la tienne, elle est partie. Embarqué. Moi au moins j'ai la mienne. Alors je prends la clé, deuxième clé qui était en haut qu'elle avait, je démarre la voiture, j'ai dit, oh mon Dieu, que je louais Dieu, j'ai fait marche arrière, j'ai dit, au moins la mienne. Et puis j'ai appelé la police, parce que comme il fallait déclarer le vol, et puis ils ont envoyé les services en fait, qu'on appelle les services là. Ils m'ont dit, mais ne touchez pas la voiture. Il dit, mais j'ai touché seulement de mon côté pour rentrer. Il dit, mais je ne touchais plus rien. Or, ces gens-là, qui sont venus voler, quand on a tourné, comme ils poussaient, leurs mains sont restées. Vraiment, ils n'ont pas fait attendre. Pensez-vous qu'ils avaient pensé, c'était précis. Ils ont bien poussé. Dieu fait toujours des bonnes choses. Hein. Ils ont poussé les empreintes grands comme ça. On a vu. Mais c'est vrai. Et puis maintenant, bon, je suis venu à l'assemblée ici. J'en ai parlé, vous souvenez. Et puis bon, je dis, on va prier. On a prié tous. Alors, quand on a prié. Puis bon, j'étais parti, je crois que oui, j'étais parti là-bas, puis d'enfance, je suis revenu. Quand on a prié, puis bon, quelques temps après, je crois que ça fait même deux ou trois jours, hein, ou deux jours, ou trois jours, mais maximum, j'étais en train de dormir. J'entends bruit. Je descends, c'était le policier avec Mota. Il dit, oui, monsieur, il dit, monsieur, vous êtes les propriétaires, c'est vous qui avez été volé ici. Moi, j'ai dit, oui. Vous êtes les propriétaires de oui, la voiture, Jaguar. Mais le propriétaire dit, mais l'autre voiture, c'est dans mon fils. Il y a la voiture de votre fils a été retrouvée. Alors il dit, mais ce qui est bizarre, c'est qu'on l'a trouvée à un endroit qu'il ne fallait pas qu'elle soit mise. C'est comme si ces personnes qui ont été dans la voiture, qui causaient la voiture, ont vu quelque chose d'étrange dans votre voiture. Ils ont ouvert les portières, ils ont pris fuite. Et c'est vrai. Et en prenant fuite, ils ont laissé le moteur tourner. Tout le carburant est complètement fini. Et on a trouvé la voiture où c'est, vous savez, à l'entrée de. Comme chez nous ici, les garages qu'il faut sortir, non? Donc, ils l'ont laissé juste devant ces garages-là, comme ça, donc, cet endroit. Parce que quand le propriétaire du garage a levé les volets, c'est comme ça qu'on appelle la police, on a trouvé en fait une voiture dont les portières étaient ouvertes. Il dit, mais en fait, la plupart des choses qu'on vous a pris, votre sac avec la butte, tout ça, se trouvent dedans. Mais bon, le peu d'argent étranger qui était là-bas, ça c'était donc parti. Mais c'est pour dire qu'effectivement, que ça peut nous arriver. Quand le voleur vient, il ne va pas te prévenir. Et c'est notre distraction un peu comme cela. C'est comme ça que l'Écriture dit, car le Seigneur, il dit, quand le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit.
Et puis il écrit, mais quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme le douleur de l'enfantement surprenne la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Vous pouvez remarquer qu'effectivement, qu'on dit, mais quand les hommes diront paix, cette Bible ici est écrite des centaines d'années auparavant. Bien longtemps. Mais quand nous pouvons voir aujourd'hui, tous les langages qu'on tient aujourd'hui, c'est que la paix et aussi la sécurité. Il n'y a pas un âge, un temps où on parle beaucoup plus souvent de la paix et de la sécurité. Et aussi, on a ajouté aussi l'environnement. Vous savez pourquoi? On a ajouté l'environnement. Parce qu'on parle du réchauffement climatique. C'est vrai quand même, non? Le programme de tous les gouvernements du monde. D'ailleurs, ici en Belgique, je vais m'arrêter, hein, vous allez sortir, vous allez partir. Le programme même que vous pouvez voir, que, ici à Bruxelles, vous ne pouvez plus rentrer avec les voitures qui ont plus de 10 ans, je pense. Pour quelle raison? Parce que ça envoie du CO2. Donc presque partout maintenant, on veut avoir des voitures, ce qu'on a des voitures électriques, parce que la couche de zone, vous savez, la météo, le changement climatique, effectivement, donc la température ne fait que monter, monter, monter. Et pour quelle raison la température monta? 2 Pierre, chapitre 3. 2 Pierre au chapitre 3. Merci à Heidi. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, 2 Pierre. Je crois que si vous avez la même Bible que moi, mais je crois pas que les pages ne sont pas pareilles, mais enfin bon. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachant avant tout que dans le dernier jour, dans les temps où nous sommes, effectivement, c'est ce qu'on appelle le dernier jour. Je reviens vers vous ici. Non, pardon, dans le dernier jour. Voilà. Voilà, donc ça, c'est pour que je vienne de là. Et voilà. Sachant que, verset 3, dans les derniers jours, il viendra donc de moqueurs avec leur raillerie, marchant sur leur propre convoitise et disant où est la promesse de son avènement. Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau et que par ces paroles, le monde alors périt submergé par l'eau, tandis que par la même parole, le ciel et la terre d'à présent où nous sommes sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies, n'est-ce pas? Alors, mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur n'étarde pas l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience enfin, envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Verset 10. Le jour du Seigneur, le jour du Seigneur, viendra comme un voleur dans... Et comment ça va se passer? En ces jours, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés, c'est-à-dire avec le feu, se dissoudront, et la terre avec les œufs qu'elle renferme sera donc consumée. Donc, nous comprenons que quand on parle maintenant de problèmes concernant l'environnement, la chaleur, c'est parce que le feu, la terre ici, donc actuellement où nous sommes, que vous le croyez, que vous ne le croyez pas, ce n'est pas un problème, mais puisque Dieu l'a décidé, vous pouvez dire, ça ne se passera pas, mais ça va se passer. C'est comme au temps de Noé, les gens ne croyaient pas non plus que l'eau allait tomber. Ils ont douté. Mais ça n'a pas arrêté Dieu. Et puis, aujourd'hui, comme vous le savez, on a parlé effectivement de, comme vous savez, même les livres d'histoire parlent qu'il y a eu un déluge. Ils ont douté, ça n'a pas arrêté les déluges. L'eau est tombée. La même chose maintenant, c'est pour ça qu'on n'arrive plus à respirer et ça commence à monter. Vous savez, les météos commencent à changer. Vous savez maintenant que les vents, les ceci, les cela, les ceci, les glaciers, tout ça, c'est normal. Là, le feu. Parce que l'eau, quand on posait, quand on parlait au temps de Noé, effectivement, que les terres étaient submergées par l'eau, les gens ne croyaient pas parce qu'ils n'avaient jamais vu de l'eau. Mais ils ne savaient pas parce que Dieu l'avait déjà annoncé que les eaux qui étaient au-dessus, donc au-dessus, il y avait de l'eau. Écrit, hein?
Il y avait de l'eau, ils ne savaient pas. Mais aujourd'hui encore, les gens ne savent pas, mais au-dessus, ici, maintenant, ce n'est plus l'eau, mais c'est le feu. Parce qu'il avait juré qu'il ne durerait plus jamais la terre par les eaux. Mais par le feu, c'est écrit ici. Donc, vous doutiez, vous pouvez faire tous les programmes, fabriquer les voitures sans, avec de l'eau, avec ceci et cela, vous ne pouvez même plus rien faire. La température va monter toujours. Il n'y a rien qui peut colmater la couche d'ozone. Et d'ailleurs, quand vous savez effectivement, si je me retiens, vous savez effectivement que quand on nous dit effectivement qu'ici dans Bruxelles, il y en a beaucoup, ça peut venir avec leur voiture parce que ce sont des voitures de passé, parce que c'est CO2, tout ça, c'est venu. Mais en fait, le même personne dit qu'il ne faudrait pas venir avec la voiture parce que vous venez avec l'amende. Quand vous allez à l'administration, il vous dit, bon, tu payes 340 euros, tu peux rouler pendant un an avec ta voiture dans Bruxelles. Donc alors, qu'est-ce que vous me dites comme mesure que vous avez pris? Mais oui, vous pouvez acheter des pollués, vous pouvez acheter à la commune. Vous allez vous acheter le droit de polluer pendant un an avec 340 euros. Donc vous pouvez venir avec un camion ici qui pompe de toutes les fumées possibles. Vous avez payé pour ça. Vous pouvez montrer aux policiers, j'ai payé de pouvoir polluer ici, dans tous les quartiers ici. Si, j'ai la preuve. Il ne va pas vous arrêter. Prie, prie, prie. Toi aussi. J'ai le droit de pouvoir polluer. Nous, nous devons que Dieu nous aide. Nous devons réaliser que nous avons une grâce extraordinaire, nous en tant que croyants. Donc avant que ce jour-là n'arrive, où les hommes ne pourront pas savoir effectivement, il nous dit une parole merveilleuse. Dans Thessaloniciens, il dit, mais tout le monde sera surpris, hein, Thessaloniciens. Et il nous dit une chose, il nous dit une chose. C'est là que nous devons être reconnaissants à Dieu pour son amour à notre endroit. Alors il dit, quand, verset 3, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine le surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Quand ça arrive, vous connaissez, non? Vous savez même pas quand vous êtes enceinte, quand vous avez accouché, quand le douleur commence à venir, vous êtes parfois surpris, non? Et puis quand comme ça, vous savez, et puis bon, c'est presque là. Enfin bon, ils ne se prennent point. Mais vous, frère, ça, on dit bien vous, frère. C'est pour ça que nous devons veiller les uns sur les autres. Quand vous avez les membres de vos familles que vous aimez tant et qui ne croient pas, qui ne sont pas des croyants, parlez-leur de l'évangile. Il faut avoir le désir que ces membres de famille soient aussi sauvés comme vous êtes aussi sauvés. C'est pour ça que nous devons témoigner de la parole de Dieu à tous ceux que nous connaissons. Est-ce que vous comprenez? Parce que la volonté de Dieu, c'est qu'aucun ne périsse. Mais que tous reviennent à la repentance. C'est comme ça qu'il a fait autant de Noé. Mais toi, mon frère, toi, ma soeur, nous avons la responsabilité aujourd'hui. Donc, en fait, Noé était en son temps comme cela. Mais vous aussi, aujourd'hui, vous avez la grâce de pouvoir comprendre et savoir ce que Dieu va faire. Donc, autour de vous, dans le milieu où vous êtes effectivement, que ce soit à vos travaux, partout où vous êtes effectivement, quand l'occasion est donnée, témoignez. Parce que ne laissez pas les gens mourir. Parce que la personne qui est assise à côté de toi, qui avait besoin, tu sais peut-être pas si c'est ton frère en Christ, futur frère en Christ. Moi qui pouvais penser que je serais un croyant? Personne. Toi-même d'ailleurs, qui pouvais penser que tu étais un croyant? Personne. Mais il a fallu quelqu'un que Dieu avait touché pour quand même nous rendre un témoignage de ce que c'est Jésus et mes yeux se sont ouverts. Alors, quand tu as quelqu'un, vous savez ce que le Seigneur a dit? Vous me donnez encore un peu de temps? Il dit à Ézéchiel, mais je t'établis comme sentinelle. Si j'ai dit au méchant, dit, mais c'est Dieu au méchant, mais si tu fais pas, si tu ne réponds pas, il va mourir. Et si tu ne lui dis pas, et que le méchant meurt effectivement dans sa condition, je vais te le demander. Bien sûr, tu es responsable de son sang. Bien sûr. Mon frère Michel, ça va mon bien-aimé? Que Dieu te bénisse. Il dit, je veux te redemander son sang. Vous trouvez facile, il dit, ah, mais qu'est-ce que j'ai à dire à ce monsieur-là? Il va se moquer de moi. Ce n'est pas un problème. Qu'il se moque de toi parce que tu es un chrétien, il n'y a pas de problème. Le Seigneur s'est moqué de lui. Mais au moins toi, tu t'es quand même libéré. Ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul dit, mais je suis libre du sang des choses parce que vous donnez tous les conseils de Dieu. Vos sangs ne sont pas sur mes mains. Ah, parce que, vous savez, quand on est de la haute classe, si on va entendre que je m'en suis dans le milieu dans lequel je suis, parce qu'on me considère comme étant les grands sapeurs, je ne sais pas si les grands sapeurs, pompiers, j'en sais rien. Bon. Et puis on me voit comme quelqu'un qui est beaucoup plus intelligent, tout ça. On a des docteurs ici.
On a même les professeurs à l'université de Sorbonne. Lève-toi, mon frère, là-bas au fond. Docteur, là-bas, à l'université de Sorbonne. Vous connaissez Sorbonne? Oui. Voici le professeur. Notre femme, ici, Marcelin, Marcelin. Que Dieu te bénisse. Oui, parce que, on va dire, ben, moi, on me prend pour ceci, pour cela. Non, à cause de ce que toi, tu te prends pour quelqu'un, et tu veux qu'on te considère comme le plus grand, parce que quand tu parles de l'évangile, aux gens, on va se moquer de toi, on dira, ah, pardonnez-moi l'expression, c'est j'aime pas cette expression, mais enfin, c'est que ce sont des gens, vous savez, des gens qui ne sont pas intelligents, hein, qui croient à des banalités comme cela. Nous, nous sommes des gens qui avons fait beaucoup d'études, mais je vous ai montré, il y a beaucoup. Et ceux qui ont fait des études, des docteurs, des ingénieurs, de ceci, de cela, ils sont tous ici. Quand vous voyez, docteur Daouda, lève-toi. Lève-toi, docteur Daouda. Je sais que vous n'aimez pas, mais moi je le fais parce que c'est un but. Si vous les rencontrez sur le chemin, vous pouvez réaliser que c'est un docteur en informatique qui a donné cours à l'université en France, c'est lui-ci. C'est un docteur. Si c'était des docteurs comme parmi dans le monde, d'abord tu vas le voir. Docteur attitré université de... docteur. C'est ce que Dieu fait dans l'homme. Alors, quand vous avez... Nous avons... Pourquoi avoir honte de ce qui est tellement si important pour nous? Je ne comprends pas pourquoi vous aurez honte de parler de la vie à quelqu'un, de ce Jésus. Qu'est-ce qu'il y a de frères et sœurs? Qu'est-ce qu'il y a de si... Je sais pas moi, de mon Dieu, les seigneurs, frère, vous allez, les gens qui parlent des choses, de sauter là-bas, non, c'est ça. Et vous, vous allez avoir honte de parler de ce Dieu qui sauve les hommes? Parce que vous voulez qu'on vous donne, quand on va vous donner cette prestance, vous allez en faire quoi avec? Parce que oh, voilà l'homme cultivé, parce qu'il ne peut pas croire à ses banalités. Moi, je vais croire, même si on me dit, je suis un culte. Je suis d'accord, mais je voudrais que monsieur soit sauvé. Je voudrais que celui-ci qui est à côté de moi, parce que je sais que cela va arriver. Mais il faut que la personne soit sauvée. Nous avons une tâche, mon frère. Dieu ne nous a pas sauvés pour que seulement nous disions, nous recherchons dans la maison, disons, voilà, nous sommes sauvés, nous allons prier. Mais on doit aussi parler aux autres. Rendre témoignage, effectivement, que notre Dieu vivant, moi ici, j'étais un voleur. Et aujourd'hui, je suis devenu un fils de Dieu. Comment cela s'est passé? Parce que j'ai écouté l'évangile. J'étais malade, j'avais des maladies, vous ne pouvez pas vous imaginer. J'ai été chez le médecin, on m'a donné un médicament, mais ça ne marchait pas. Mais quand je suis allé quelque part là, on a prié au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je suis bien. Le docteur a examiné, il dit, mais madame, qu'est-ce que vous avez bu comme votre nom? Vous connaissez, non? La femme de notre frère ici, en haut, à l'intérieur, le médecin a vu les scanners, effectivement, tout ça, bébé à l'intérieur, il dit, madame, ça ne vaut pas la peine, il faut avorter parce que c'est un enfant difforme dans la tête, il n'y a que de l'eau. Et puis, il ne peut pas vivre, c'est, vous avez peut-être, il n'y a rien dans la tête, il y a de l'eau. Et comme était infirmière, il a vu cela aussi. Et il dit, mais il faut qu'on fasse sortir cela, prenons un rendez-vous pour qu'on puisse faire ça, parce qu'il n'y a pas de vie dedans. Il pose la question à son mari, est-ce que frère Léonard est là, vous vous souvenez? Il me dit, mais pourquoi vous demandez, frère Léonard? Le médecin vient nous parler, effectivement, que nous avons quelqu'un, un enfant qui a de l'eau dans sa tête, il n'y a pas d'espérance. Pourquoi tu veux voir le frère? Il dit, non, je veux seulement le voir. Il m'a appelé, il est venu. Vous vous souvenez? J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mon frère, dans mon ventre ici, j'ai un bébé, mais ce n'est pas un bébé, c'est un être difforme. Je porte quelque chose, il n'y a que de l'eau dans la tête. Il n'y a rien, le médecin dit, il n'y a rien à faire, on peut simplement faire sortir. J'ai dit, mais alors, qu'est-ce que tu veux de moi? Il dit, mais je sais une chose, que si toi tu pries, même ce bébé qui a des formes va devenir normal. J'ai dit, tu as la voix. Il me dit, oui. Moi, j'ai dit, mais j'avais eu une de tes soeurs ici, la soeur Edith. Elle était aussi partie aussi chez le médecin. Son bébé était dans le fœtus, effectivement, on est tout renfermé, ce qu'on appelle les fibromes, et c'était étouffé. Et la maman m'a dit, oh, tu vas mourir parce que madame, si tu ne fais pas attention, ça te tue toi-même. Elle est venue ici, et elle a prié le Seigneur quand elle est sortie du bureau du médecin. Elle a dit, mais Seigneur, si vraiment tu m'accordes la grâce de voir ton serviteur dans son bureau. Je sais que le matin, il n'est pas là, mais si je le trouve dans son bureau ce matin, c'est sûr et certain que je sais que tu m'as déjà guéri. Ces jours-là aussi, Dieu m'a réveillé très tôt. Très vite au bureau. Je me suis réveillé très tôt, je suis venu au bureau. Et comme elle nettoie, elle ne savait pas que j'étais au bureau. Et puis s'il avait prié Dieu, et puis bon, parfois on oublie. Et puis pendant que je travaillais, puis je joue à la porte, effectivement, je descends, puis je claque la porte, elle entend une porte qui a claqué, qui est quelqu'un sorti. Puis je vois, elle vient, et puis elle frappe à ma porte du bureau. Bon, j'ai dit toujours, il y a Camille ou André.
Et puis quand elle ouvre la porte, je ouvre la porte, elle me voit, elle a commencé à sauter. Alléluia, gloire à Dieu. Moi aussi, je dis alléluia, gloire à Dieu. Ah oui, parce que ma soeur me voit le matin dans le bureau, elle est contente. Je réplique aussi à sa joie. Donc tous les deux, on était alléluia, gloire à Dieu. On était heureux, moi j'étais aussi heureux. On était tellement, Dieu est bon, on m'a dit, il est vraiment bon. Oui, c'est normal. Si quelqu'un dit Dieu est bon, moi je vais dire quoi? Il est bon. Donc la joie de ma soeur m'a contaminé aussi. Donc ensemble, je ne comprenais pas beaucoup plus. Mais j'ai vu qu'elle était heureuse. Parce que je me dis, mais pour moi, c'est parce qu'on s'est vu le matin. Il dit, oh pasteur, j'ai dit, oh ma soeur à moi. Il dit, je vais te parler. J'ai dit, je suis disposé. Il dit, voilà, je suis parti là-bas. Ce que tu vois dans mon ventre ici, c'est fibromes et tout ça. Le bébé est en fou là-bas. On m'a dit que ce bébé ne peut pas vivre, ne va pas grandir parce que trop de cela, effectivement. Et ainsi de suite, effectivement. Alors j'ai dit au Seigneur que je te trouvais dans ton bureau ici et que tu priais pour moi. Le bébé va vivre. J'ai dit, bébé, enveloppé comme ça. Le Seigneur m'a dit que les choses ne font que pousser. Effectivement, tu dis, tu crois qu'il. Il dit, je le crois de tout mon cœur. Il dit, tu as foi en cela? Il dit, oui. J'ai dit, viens. Cette nuit ici, je priais pour elle, j'ai dit, c'est terminé. Tu peux rentrer en paix, ton bébé à toi et toi, en bonne santé. Et s'est levé. Le médecin lui avait dit, mais quand tu vas te sentir des douleurs, faut qu'il me dise, ah, c'est l'alarme. C'est qu'effectivement, il faut appeler vite l'ambulance parce que là, il faut qu'on puisse t'opérer d'urgence. Quand j'ai prié pour elle, elle est partie. Le lendemain, les douleurs ont commencé ici. Et n'a pas pris le chemin de l'hôpital, ni de l'ambulance. Elle avait toujours la foi, mais on a déjà prié pour moi. À l'intérieur, ça se passe bien. Il va chez le médecin. Je dis, madame, ça c'est... Comment ça se passe? Oui, j'ai senti de le dire. Ah, déjà, quand tu as eu ça, madame, ça veut dire que c'est le point critique et critical. Évidemment, on va tout faire pour qu'on puisse d'abord voir à quelle dimension c'est pour qu'on puisse opérer. Laissez aller. La dame prend la boule. Elle fait passer la boule. Vous connaissez le témoignage, non? Elle fait passer la boule, effectivement. Et la soeur... Ça dit, t'es ici, je pense, non? Elle est là, si jamais, il va vous le dire tout de suite. Tu vas te le dire, mais tu vois, ce frère, il meurt. Tu peux corriger, hein? Voilà. On passe la boule, effectivement, là, 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 là. Et puis le médecin qui commence à tiquer, il dit, madame, tournez un peu. Madame, tourne un peu. Il passe la boule. Tournez encore. Et puis il pose la question, il y a un problème. Non, tournez. On passe la boule partout, 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 partout. Et puis il dit, mais madame, qu'est-ce que vous avez fait? Vous savez mieux que moi, vous étiez. Il dit, mais pourquoi? Il dit, mais madame, le bébé est en bonne santé. Amen. Les fibromes sont disparus. Amen. Il dit, c'est pas possible ça. Il dit, madame, le Dieu est très haut. Amen. On a prié pour moi. Je n'ai bu aucun liquide. Le Seigneur a causé, en tout cas. Et alors, je lui dis ça, je lui dis, mais ta soeur avait la foi. Toi aussi, il dit, moi aussi, j'ai la foi. Et si tu pries pour moi, ce bébé difforme tout ça avec la tête dans l'eau, il n'y aura plus rien. Ce n'était pas de problème. Je priais pour elle. Elle est repartie. Quand elle est repartie, eh ben, le médecin nous dit, comme ils avaient spécialisé, effectivement, ils attendaient qu'elle vienne et qu'on puisse arriver à pouvoir aussi maintenant procéder à ce qui serait donc nécessaire dans l'avortement. Il dit, bon, on va d'abord examiner, effectivement, encore. Il passe la boule, comme vous le savez. Le médecin appelle son collègue. Il dit, Vandenberg, viens. Il dit, mais pourquoi? Il dit, mais tu connais les cas de madame ici, parce qu'elle est infirmière. Il dit, oui, on connaît les cas. Donc, l'enfant, la tête est pleine d'eau, difforme, tout ça. C'était pour l'évacuation, en fait, du bébé. Il dit, ok. Tu connais les clichés? Il dit, mais les clichés sont là, il faut se les clichés. Il dit, bon, maintenant, viens, jette un coup d'œil. Il jette un coup d'œil. Qu'est-ce qui s'est passé? Les bébés qui étaient difformes étaient en bonne santé. L'eau qui est dans la tête disparue. Ce bébé, vous le connaissez, non? Oui. Il est né. Le bébé de notre sœur Edith, Joseph. Oui. Toujours mignon. Vivant jusqu'aujourd'hui. Donc, nous réalisons que ce que Dieu est, il ne peut pas changer. C'est à nous de pouvoir réaliser effectivement aussi la grâce. Comme je disais, bon, donc, parler de gens, c'est Dieu, en fait, aux gens, c'est aussi votre rôle à chacun de vous. Parce que vous et moi, nous sommes au courant de ce qui va se passer. Nous sommes au courant. Mais ce qui est encore merveilleux, c'est qu'on nous a ajouté en disant, mais vous n'êtes pas, vous frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Mais alors, quelle bénédiction, monsieur. Je ne sais pas si vous
vous réalisez cela parce que vous l'avez lu, nous avons lu à maintes reprises. Je ne sais pas si vous pouvez réaliser ce que cela veut dire où le Seigneur dit, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Alors, si vous n'êtes pas dans les ténèbres, vous êtes dans quoi? Alors maintenant, expliquez-moi, qu'est-ce que cela veut dire être dans la lumière? Parce que vous pouvez le lire et vous allez dire, nous sommes dans la lumière. Qu'est-ce que cela veut dire être dans la lumière? Parce qu'on nous a dit tout à l'heure que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la... Les voleurs ne viennent pas dans la journée, comme la majorité, hein, mais surtout dans la nuit. Dans la nuit, tout est sombre, effectivement, vous ne voyez pas tellement très bien. Parce que lui, il veut opérer, effectivement, dans les secrets. Vous comprenez cela? Alors, on dit, mais vous, vous n'êtes pas dans les ténèbres, n'est-ce pas vrai? Pour que ce jour vous surprenne. Vous êtes tous des enfants de la lumière et du jour. Et ça veut dire quoi pour vous? Être des enfants de jour. Si on éteint ici, si on éteint tout ici, qu'est-ce qui va se passer? Vous ne verrez même pas la caméra qui est là. Même le micro ici, vous ne le verrez même pas. Si je vous dis, levons-nous et partons ici, on va se cogner ici les uns avec les autres, parce que c'est tout noir. Et si on allume la lumière, qu'est-ce qui va se passer? Vous verrez très bien. Maintenant, pour que vous voyez bien jusqu'à sortir, il faut que la lumière reste permanente. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous devez toujours être en permanence éclairé par la lumière pour que vous sachiez comment passer et arriver. Parce que si j'allume un peu et puis j'éteins encore, vous n'allez pas. Vous faites un pas et puis j'éteins. Vous vous retrouvez toujours dans la ténèbre. Ce n'est pas parce qu'on a eu la lumière une fois qu'on sera maintenant sorti d'ici. Donc, il faut que la lumière soit en permanence. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, elle doit être permanente. Parce qu'une fois qu'on l'a allumée, si on l'éteint, on revient à la même condition. Vous savez ce que le Seigneur a dit? Je vais m'arrêter. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Vous vous souvenez, non? Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Je ne sais pas si vous comprenez, quand vous comprenez. On nous a dit que il y a eu un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'était qui? Son nom était? Il n'était pas? Non, on va les lire avec vous. Hein? Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Lisons au verset 3, il dit, toutes choses ont été faites par elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. La Bible dit, il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Ah ouais. C'est sûr et certain. Parce qu'on dit que nous sommes tous enfants de la lumière, en fait. Il n'y a aucun homme qui soit lumière. Il n'y a aucun homme qui soit lumière. Il n'y a que Dieu seul qui est lumière. C'est pourquoi elle a dit que je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Mais il aura donc la lumière de la vie. Donc, si lui, il est la lumière, et que nous croyons en lui, nous aussi, nous devenons lumière. Vous comprenez ce que cela veut dire? Ok, je termine.
Ce qui veut dire que, comme nous l'avons dit tout à l'heure, effectivement, que pour que nous puissions voir bien quand nous allons sortir d'ici, si on allume une fois et qu'on éteint, une fois, on sait comment on se met debout pour sortir des rangs. Et puis, on éteint la lumière, on va toujours se cogner ici. Pour qu'on marche bien, qu'on sorte, il faut que la lumière soit toujours présente. Mais on te dit que tu n'es pas dans les ténèbres pour que ce jour te surprenne comme un voleur. Et tu es un enfant de la lumière, un enfant du jour. Qu'est-ce que cela peut vraiment dire pour toi, mon frère et ma sœur? Qu'est-ce que cela veut dire pour toi que tu es un enfant de la lumière, un enfant du jour, pour que ce jour ne te surprenne pas comme un voleur dans la nuit? N'est-ce pas vrai? Qu'est-ce qu'on nous a dit? Que en ce jour-là, le jour du Seigneur, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Nous l'avons vu, que c'est pour ça qu'on parle de, maintenant de l'effet climatique, effectivement. Donc, cet éther est réservé pour le feu. Mais il nous est dit que dans le livre des Actes, au chapitre 2, c'est là, oui, où l'apôtre Pierre dit, avant que ce jour n'arrive, ce jour du Seigneur, jour grand et glorieux. Il n'a pas dit redoutable, mais glorieux. Donc, ce même jour qui, d'un côté, il est redoutable parce que fracas, ainsi de suite, il est glorieux pour les uns et ténébreux pour les autres. Vous vous souvenez, nous en avons parlé. Maintenant, la question est de pouvoir savoir effectivement, mais comment est-ce qu'il peut être glorieux pour les autres? Et qu'est-ce qui se passe avec les autres là pour que ça soit le même jour, hein, l'espace d'un petit temps, que d'un côté, il soit glorieux. C'est le miracle de Dieu. Hein? L'autre pour les uns. L'autre côté, il soit ténébré, redoutable et terrible, effectivement. Comment cela se fait-il? Quelle différence y a-t-il entre les deux, effectivement? D'un côté, c'est glorieux. De l'autre côté, c'est ténébreux, redoutable, effectivement. Oh, frère, nous savons, nous l'avons déjà entendu. Je suis certain de cela, mais je vais vous poser une question. Qu'est-ce que vous entendez, effectivement, par enfant de la lumière et du jour? Parce que pour que toi, tu puisses échapper, il faut que constamment, tu puisses avoir la lumière. Est-ce que vous avez compris? Pas un moment. Non, non, pas un moment. Parce que vous dites, mais frère, le message, bien sûr que le message a été envoyé, et c'est, comme la Bible dit, la lumière du temps du soir. Et puis qu'on se pose la question, qu'est-ce que c'est que le message? Vous vous souvenez? C'est-à-dire que nous comprenons que Jésus-Christ, notre Seigneur, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est ça le message. Jésus-Christ, notre Seigneur, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hier, il a fait, il a utilisé un puissant prophète, mais aujourd'hui, pose-nous la question, parce que la lumière ne s'arrête pas, elle doit continuer. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il entend aujourd'hui? Tu es dans ton aujourd'hui? Est-ce que vous comprenez? Mais oui, mon frère et ma soeur, il faut que tu comprennes, effectivement, est-ce que je suis dans mon aujourd'hui? Or, effectivement, qu'est-ce qui s'est passé, effectivement? Mais avec la parole, c'était toujours Dieu, comme avec Moïse, qui parlait, qui révélait la parole, effectivement. Moïse a eu le temps dans lequel, effectivement, il a eu à pouvoir donner sa révélation, ben, la révélation qu'il a reçue de Dieu. Mais quand Christ est entré en scène, c'était toujours la continuité de Dieu. Vous vous souvenez? Sur la montagne, transignation, les trois. Puis il dit, mais vous nous dressez trois tentes ici. Moïse, Élie et Seigneur Jésus. La voix, qu'est-ce qu'il leur a dit? Effacez Élie, effacez Moïse. Voici. Mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et vous comprenez? Ah ben oui. Ils avaient l'heure aujourd'hui. Au temps de Moïse, ils avaient l'heure aujourd'hui. Mais ces jours-là, ils avaient l'heure aujourd'hui. L'heure aujourd'hui était qui? Mais c'était ce Jésus permanent. Et quand il est parti, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Vous enverrez les consolateurs.
l'esprit de vérité. Est-ce que vous comprenez? La lumière qui a été allumée dans l'âge d'Éphèse, ça maintenant c'est pour vous parce que les nouveaux ne peuvent pas comprendre, vous comprenez? L'âge d'Éphèse, vous vous souvenez? Je termine. C'est la même lumière qui a allumé l'âge suivant. On a pris la même lumière là pour allumer les chandeliers sur donc l'âge suivant. Et la même lumière de celle-ci est passée par là. Ce n'était pas une deuxième lumière, non, la même. Là, jusqu'au septième. Alléluia. Amen. Le Jésus toujours permanent et toujours présent. Amen. Dieu n'a jamais envoyé de bande pour prêcher sa parole. Non, monsieur. Parce que les bandes n'ont pas d'esprit. Dieu a envoyé des hommes pour prêcher sa parole parce qu'il veut continuer à pouvoir parler. Est-ce que vous comprenez? Donc, jusqu'à la fin, il faut que le Seigneur continue à pouvoir parler. Parce qu'il est la lumière. C'est parce que nous n'avons pas le temps. Je l'ai dit que les nouveaux puissent très bien commencer à manger pour que vous, les anciens, vous restiez ici. Pour quelles raisons, frères et sœurs? Pourquoi est-ce que la Bible fait comprendre que vous ne pouvez pas être surpris? Pour quelles raisons? Parce que, en tant que fils de Dieu, vous avez reçu la parole de Dieu. Ne vous fatiguez pas, ma sœur. Qu'est-ce qui se passe? Si vous avez la parole de Dieu, vous avez reconnu votre temps. Qu'est-ce qui se passe effectivement? Il y a des promesses de Dieu pour ce temps. Les prophéties bibliques pour ce temps. Qu'est-ce que Dieu t'a fait comprendre, toi, que le monde ne sait pas? Ce qu'il y aura un temps de rafraîchissement. Bon. C'est-à-dire qu'on doit voir la Bible en action. Aussi longtemps qu'on n'a pas... Nous, on sait qu'aussi longtemps qu'on n'a pas eu encore ce temps, ce qui veut dire que le Seigneur ne vient pas sans croire. Ça veut dire que nous sommes dans la lumière. Le Saint-Esprit nous montre où nous sommes. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voici maintenant, quand on a dit, mais dans quel temps nous sommes et à quel moment, qu'est-ce qui se passe maintenant? Donc le Saint-Esprit nous ramène, dit, mais voici là où nous sommes par rapport aux Saintes Écritures. Donc nous marchons avec la même lumière. Amen. Nous continuons à pouvoir marcher, effectivement. Et alors, quand nous arrivons à tel point, frères et sœurs, c'est comme cela que Siméon a été conduit. C'est comme ça, frère. Mais toi, tu t'accroches à quelque chose qui ne bouge pas. Les mages, je termine encore, ben, fait d'abord. Ils ont dit que nous avons vu son étoile. Et l'étoile les conduisait, monsieur. Et toi, qu'est-ce qui t'a conduit aujourd'hui? Parce que tu me dis, ah, je serai là, je serai... Qu'est-ce qui t'a conduit? Qu'est-ce que tu vois? Parce qu'il a dit, mais quand vous verrez ces choses commencer à arriver, redressez vos têtes. Et levez-vous car votre rédemption est proche. Il faut le voir. Il faut d'abord le connaître, ces choses. Il faut le voir. Que Dieu nous aide parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. C'est pour ça que quand elle a dit, quand vous verrez Jérusalem investi, sachez que son temps est proche. Et en fait, ils avaient aussi oublié en cet moment quelque temps. Mais puisque le Seigneur, il s'était accroché à cette parole de Dieu, quand Titus a commencé à rentrer, le Saint-Esprit les a réveillés. Ouvrez vos yeux, regardez ce qui se passe. Préparez-vous, car les jours des ténèbres sont proches. Parce que les gens pensaient que c'est la même armée, ils viendraient pour changer. Non, c'était là, tout le monde ne savait même pas, mais les disciples, eux, avaient compris. Mais c'est le Saint-Esprit qui a... Frères et sœurs, nous avons besoin de Jésus toujours présent, pas de Jésus du passé. Ce que Dieu a fait avec les apôtres, avec les prophètes, il doit les faire encore aujourd'hui, afin que nous soyons sûrs et certains que nous marchons vraiment au pas et dans la lumière. Est-ce que vous comprenez? On ne doit pas seulement remettre les choses dans le passé, mais aujourd'hui encore. Parce que si il ne les fait pas aujourd'hui, alors ça veut dire que la lumière était allumée simplement quand le prophète était là. Et puis après, il est mort, il est parti avec la lumière et aussi la colonne de feu et le Saint-Esprit. Donc tout est éteint. Mais si c'est éteint, je vais aller où maintenant? Or, la lumière doit me conduire jusqu'au bout. La colonne de feu ne s'est pas arrêtée quand ils sont sortis. Ah non. Le jour, c'était le feu, la nuée, la nuit, c'était le feu. Il conduisait. Réveillez-vous, frère. Pour que nous comprenions, parce que nous n'avons pas le temps, pour que nous comprenions, frère. Il ne s'agit pas seulement de répéter les lèvres, mais comprendre et se poser la question, est-ce que je suis dans l'action? Est-ce que je vois ce qui se passe?
Parce que je peux dire, oh, je suis un fils de Dieu, je mets la lumière. Mais en fait, tu es dans les ténèbres sans que tu te rendes compte, en fait, que tu ne vois rien. Toujours parce que tu dis que je vois, mais en fait, tu ne vois rien. Mais il faut que tes yeux s'ouvrent. Que quand tu regardes, tu dis, oh Seigneur, que ton nom soit béni. Maintenant, je sais où j'en suis. Et le Saint-Esprit en toi, il te fait avancer. Tu vas sentir une chose que, lève-nous à la prière. Tu vas sentir une chose que, chaque fois que la parole t'est apportée par le Saint-Esprit, il y a toujours un changement. Tu n'es plus la même personne, mais toujours un changement. Pourquoi? Il t'envoie toujours vers l'avant, vers la perfection, pour que tu atteignes ce que Dieu veut de toi. Afin que tu saches que je ne suis pas dans les ténèbres, parce que là, maintenant, je vois. Je ne suis plus ce que j'étais. Je ne suis pas encore ce que je dois être, mais ce dont je sais, ce que je ne suis plus, ce que j'étais hier. Au jour le jour, je suis changé. Lève-nous, frères, nous allons prier.